Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut à tous ceux qui sont déjà en poste, qui sont déjà tout feu tout flamme avec le sujet du jour. Les amis, quand vous arrivez, pensez à partager, à mettre des pouces. Et puis dites-nous depuis quel pays vous suivez le direct. Est-ce que vous faites partie des personnes qui vont rentrer ou non? Est-ce que vous êtes en Occident? Est-ce que vous êtes en Afrique? Partagez avec nous, c'est important, afin qu'on sache, voilà, la tendance dans le chat. C'est très important. Donc, n'hésitez pas à partager, à mettre des likes aussi, c'est important. C'est gratuit ce qu'on fait ici. Donc, la moindre des choses, c'est de soutenir avec un pouce et de partager. Donc, je vois déjà, vous êtes nombreux dans les commentaires. Salut Ali Bongo, Enoch, ça fait un moment, effectivement. Salut à vous, avec 10 000 euros. 10 000 euros. J'espère qu'on va parler concret et chiffres, sans langue de bois. Faut aussi prévoir du retour. Faut aussi prévoir l'argent du retour. Si ça ne marche pas, l'argent du retour, c'est d'abord la priorité. quand tu es déjà dans cette dynamique, c'est comme si tu partais en guerre, perdre ta guerre, en fait. Tu te dis déjà que, bon, vu que je vais perdre, il faut déjà que je pense à une stratégie. Je ne dis pas que, voilà, il faut pas avoir ça quelque part, très loin dans son esprit, mais le problème, c'est que tant qu'on n'est pas dos au mur, tant qu'on n'a plus d'options et que la seule issue, c'est d'avancer, ben, on ne donne pas tout en fait. On ne donne pas tout. Et ça me rappelle une des stratégies qui est développée dans le livre, je ne sais plus si, je pense que c'est dans le livre de Napoléon Hill ou alors celui de l'art de la guerre. En fait, où il y a une armée qui va en guerre et puis arrivé, ben, le gars, il brûle les bateaux. C'est un mot de on gagne ou on gagne. Rien à faire. Dites-moi dans quel livre, je ne sais plus lequel c'est. Pour les personnes qui voient le livre, n'hésitez pas à nous mettre la référence là dans le chat. Donc, quand vous êtes dans cette posture où vous n'avez pas d'autre option, la seule option, c'est de réussir, bah, vous faites des miracles. Or, quand vous savez que quelque part dans votre esprit, vous avez encore la possibilité, vous avez d'autres options au cas où ça ne fonctionne pas. Non, vous ne mouillez pas le maillot, vous ne donnez pas tout ce qu'il faut. Et ça, il faut éviter, quoi, parce que ça vous met dans une posture de faire le strict minimum. Oh, là, vous devez vraiment mouiller le maillot au pays. On veut les chiffres. Faut pas avoir honte de parler d'argent. Ceux qui sont humbles, là. Il faut aussi qu'on distingue différents scénarios. Le ou la célibataire, le couple, la famille avec des enfants à scolariser en bas âge. C'est bien ça, Enoch. J'aime bien ça. Effectivement, dans les cas de figure qu'on va voir ensemble, c'est de voir effectivement une personne seule, une personne avec sa famille, par exemple, monsieur et madame, les enfants, et de voir également le cas de figure où on vient à un certain âge. Parce qu'il faut dire que lorsque vous venez et que vous êtes à la fleur de l'âge, vous êtes jeune, encore vigoureux, ce n'est pas la même chose lorsque vous venez quand vous êtes retraité. Donc, c'est deux situations qui sont différentes et deux approches différentes aussi. Parce que souvent, lorsqu'on vient à un mot de, on est à la retraite, on a un certain âge, 60, 65 balais, bah, ce n'est plus un mot de, voilà, on vient délivrer le game. Non, c'est un mot dont on vient se reposer. Donc, il faut distinguer les cas de figure là aussi. Merci beaucoup. En mode maman, je suis rentrée du marché. Merci beaucoup, Ariane. Merci. La main sur le cœur. Je me suis pomponnée pour vous. C'est-à-dire que j'ai mis. Ça s'appelle comment déjà? Là, on dit quoi? Le rouge, là, tout ça pour le live. Ah, monsieur m'a dit que j'étais magnifique. Hein, donc, ça rejoint son compliment. Que façon dont j'étais affalée là sur le canapé, je n'étais même pas sûre que quelque chose pouvait me bouger de là. Donc vraiment, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis allée puiser ça très loin de me lever pour m'apprêter pour le live, quoi.
Aujourd'hui, je n'étais pas en train de faire la sieste, je vous rassure tout de suite. Parce que si je faisais la sieste, je sens que ça aurait été compliqué. Donc, je n'ai pas fait de sieste. J'espère que voilà, ça, on va rester passionné pour pas que je m'endorme ici en fait avec vous. Oui, aussi il y a les retraités et notch. C'est important de ne pas les oublier. On va parler de la Donc, se fait belle. Ariane, c'est terrible. C'est important. C'est que moi, je fais partie de la catégorie de personnes qui se maquillent pour rester à la maison. C'est-à-dire que je me réveille le matin, je m'apprête, je suis toute maquillée. Monsieur me dit, mais je vais où? Pourtant, nulle part. Et puis, je me pose là dans le canapé. Moi, je me parfume même. Je suis dans la catégorie là. Il me faut vraiment pas quelque chose de spécial pour être maquillée, tout ce qu'il faut, quoi. Non, sincèrement, je me maquille, je suis posée, je suis bien, quoi. Et c'est important parce qu'à un moment, c'est aussi le self-love de se dire que voilà, on est bien dans ses baskets. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit être négligé. L'objectif, c'est pas que vous soyez seulement bien à l'extérieur. Non, du tout. C'est pas les autres qui doivent toujours vous voir bien. Aussi, votre mari, vos enfants et tout, vous devez aussi être bien apprêté pour eux. C'est important. Donc, je me sape et puis je me parfume et je reste posée là dans le canapé. Ah là là. Et surtout qu'il faut dire aussi que je bosse de la maison la plupart du temps. Donc, s'il faut attendre d'avoir une sortie ou quelque chose comme ça pour s'apprêter, ben, c'est que je ne vais jamais m'apprêter en fait. Parce que je suis très souvent à la maison. Donc, les amis, connectez-vous. Je vais partager déjà le lien du direct pour les personnes qui souhaitent intervenir pour partager leur expérience. Donc, voilà déjà le lien pour le direct. Ça, c'est un délit de. Avec la chaleur, c'est pas tout le monde qui peut se pomponner H24. Non, mais. Ce n'est pas dit H24, mais dis-toi que tu as des petits minimums. Le problème, c'est qu'on tombe vite dans un cliché ou dans un autre de se dire que oui, on est chez soi, on se met à l'aise et puis on ne fait jamais rien. Sauf quand on entre nos sorties. Ou alors, on en fait un peu trop chez soi. Il y a un juste milieu. Et puis, l'idée, ce n'est pas que voilà, on te voit à 1 h du mat, tu as les phares, tu as ceci, tu as cela. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est de se dire que voilà, il y a des moments où tu te fais un petit brin de beauté, tu es bien. Ça te fait du bien aussi. Se dire, quand tu prends ce temps-là, c'est également pour toi. C'est d'abord pour toi avant d'être pour les autres. Et le problème, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est pour les autres. Non, c'est pour soi-même, être bien déjà soi-même. Et quand on s'apprécie, on est bien dans ses baskets, dans sa peau, ben, les autres sont plus promptes à percevoir cela. Or, quand on n'est déjà pas bien dans sa peau, bah, c'est difficile en fait. C'est en fait ça, trouver ce juste milieu-là. Ça ne veut pas dire que, bah, comme souvent, vous voyez certains, ils sont tirés par quatre épingles pour aller faire la cuisine ou certaines choses comme ça. Pas forcément arriver jusque-là, mais avoir un certain minimum, pas toujours être négligé, négligé. Et puis, voilà, parce que sous prétexte qu'on est à la maison, moi, je ne prône pas ça. Faut que l'argent circule dans la maison pour monsieur, il faut qu'il vous voie sur le 31. Il faut chercher l'argent pour acheter la clim. Quoi qu'il en soit, les amis, on va démarrer avec le sujet du live qui est celui de combien il faut en fait pour retourner en Afrique. C'est très important parce que il faut dire que. De plus en plus, certains veulent rentrer. C'est pas tout le monde, c'est pas la majorité aussi. Qu'on se dise les vérités, c'est pas tout le monde qui va rentrer. Mais pour ceux qui aspirent à rentrer, une préparation serait bien. Penser à quelque chose, en tout cas, donner les grandes lignes de ce qu'il faut, ce serait pas mal. Donc souvent, c'est une question qui revient. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Je vais vous partager mon expérience. Les retours que j'ai eus, les personnes qui sont rentrées également, les personnes accompagnées. Et puis, vous aurez également la possibilité de partager vos expériences dans le chat ou alors de venir en direct partager vos expériences. Mais avant cela, je vais me présenter. Donc, je suis Chimène Nana, comme ça s'affiche actuellement. Donc, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse
Et puis, je suis auteur du livre « Vivre et réussir en France ». Il est juste là. Donc, c'est un livre qui vous permet justement d'immigrer. Là, on est dans l'autre sens lorsqu'on quitte l'Afrique pour l'Occident, pour la France. Donc, ce livre vous permet justement de bien préparer cette immigration-là, de bien vous intégrer sur le territoire et comprendre comment fonctionne l'argent, comment vous pouvez bien le gérer et surtout comment vous pouvez l'investir, le multiplier et progressivement atteindre votre autonomie financière. Donc, pour des personnes qui souhaitent, je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, pour que vous puissiez cliquer dessus et avoir votre exemplaire. Et je vais mettre également dans le chat, donc pour vous procurer votre exemplaire. Ceci étant dit, pour les personnes qui souhaitent également qu'on échange sur leur projet, vous pouvez aller en fait sur businessetreussite.com et prendre un rendez-vous là-bas. Donc, vous avez l'onglet en fait « Prendre rendez-vous » qui est disponible quand vous y êtes. Et vous avez également la possibilité de rentrer en fait dans le club privé des résiliences et l'anglais académie. Donc, n'hésitez pas pour les personnes qui souhaitent avoir, voir l'envers du décor, trouver d'autres personnes sur la même longueur d'onde avec qui réseauter, investir, parler de livres, parce qu'on parle beaucoup de livres là-bas, c'est très important. C'est ça qui va permettre qu'on passe à une autre dimension. Donc, il faut se réconcilier avec la lecture. Vous avez ces onglets en haut à droite là. Vous avez l'académie, le bouton bleu et prendre rendez-vous, le bouton orange. Donc, n'hésitez pas. Et pour terminer, vous êtes de passage au Cameroun. Pensez à bloquer votre séjour. Si vous êtes au Cameroun, vous allez dans les villes de Bafoussam et Yaoundé. Ben, écoutez, contactez-nous pour qu'on voit ensemble pour vos logements meublés, pour votre séjour. Ce sera avec plaisir. Qu'on va verrouiller ça pour vous. Donc, ceci étant dit, après toute cette parenthèse-là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est important. Donc, combien est-ce qu'il faut, en fait, pour rentrer? À cette question-là, comme je disais déjà en intro avec le commentaire des notes, c'est qu'il fallait distinguer plusieurs catégories de personnes qui rentrent. On peut rentrer seul. On peut rentrer avec son conjoint ou sa conjointe, son partenaire ou sa partenaire. On peut rentrer avec son conjoint ou sa conjointe avec ses enfants. On peut rentrer à l'âge de la retraite pour parler des âges, en fait. Donc, soit on rentre généralement jeune, soit on rentre un peu plus tard, c'est-à-dire quand on est déjà dans les eaux de la retraite. Donc, il y a déjà ces deux catégories en termes d'âge, mais maintenant, en termes de situation matrimoniale, ben, il y a ceux qui sont seuls, célibataires, il y a ceux qui sont en couple avec enfants. Donc, en fonction de ça, ben, forcément, vous conviendrez avec moi que les niveaux de risque, entre guillemets, sont différents et surtout, la prise de décision est un peu moins lourde. Parce que lorsque vous êtes tout seul et que vous avez votre projet, il n'incombe qu'à vous, en fait, de le rendre réalité. Donc, ça veut dire que quand vous vous décidez, vous vous dites « hop, c'est le moment pour moi », ben, vous y allez tout simplement sans vous poser plus de questions que ça. Or, quand vous êtes déjà avec un ou une partenaire, il faudrait que votre partenaire adhère, en fait, à votre envie, votre objectif de retour. Et ça, ça peut demander en fait du temps pour préparer l'autre à cette adhésion-là. Ça fait que bah, ce n'est pas la même facilité, entre guillemets, que vous aurez pour un retour, que vous, si vous êtes seul ou avec déjà un partenaire ou une partenaire. Et encore, lorsque les enfants se rajoutent à l'équation, c'est encore autre chose parce que vous ne pensez plus en termes de vous ou de vous et de madame, ou de vous et de monsieur, mais vous pensez en termes de vous, le partenaire et les enfants. Donc, ça fait que ça se complexifie un tout petit peu. Et en soi, voilà, c'est le jeu aussi. Et puis, il faut dire que sur place, qui dit enfant, dit qu'il faut penser également à l'épanouissement des enfants. Il faut penser à la scolarisation des enfants. Ça fait également des coûts qui se rajoutent, en fait, à ce que vous devez prévoir initialement. Et en termes de poste, donc, moi, j'ai mis 5 grands postes dont vous devez impérativement faire attention à ça et vous rassurer que vous avez arrêté les lignes de chacun de ces postes-là. C'est des postes incontournables quand vous rentrez. Que vous soyez seul ou avec une grande famille ou alors que vous y alliez jeune ou un peu moins jeune. Donc, voilà, les 5 postes se retrouvent dans toutes les situations.
Maintenant, en fonction des situations, vous verrez par exemple ailleurs, vous allez dire, ben, moi, je n'ai pas d'enfant, vous n'avez pas de frais de scolarité. Moi, je n'ai pas si, ben, vous n'avez pas, vous cochez simplement. Donc, c'est un peu une sorte de checklist qu'on va voir ensemble. Vous me direz progressivement dans le chat ou les personnes qui viendront se connecter, si vous êtes en phase ou pas, en tout cas, vous, combien vous mettrez, est-ce que, comment on ajuste cela, etc. Donc, ça, on va échanger ensemble. Ce sera un mot d'échange. Moi, je vous partage un point de vue et puis on échange tranquillement dessus. Claire qui nous dit, surtout, il faut savoir ce qu'on va faire au pays et surtout bien étudier le marché avant de partir. Sinon, effectivement, effectivement. C'est le paradoxe. Pour étudier le marché, il faut d'abord venir sur place. C'est pour cela que quand vous prévoyez de rentrer, il faut venir sur place jauger déjà un certain temps. Donc, ça veut dire que vous devez venir pas en mode vacances, mais venir en mode séjour un peu long pour apprécier un peu l'environnement, apprécier les mœurs, comment ça se passe au quotidien, pour voir si vous êtes encore en phase avec ça ou alors si vous allez facilement réadapter votre vision à cela. Parce que ça peut être difficile quand on a passé surtout 20, 30 années à l'étranger, ben, c'est souvent difficile de se remettre encore dans un environnement où on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à redire, j'ai envie de dire. Ça peut être compliqué. Donc là, l'idée de ce temps-là, c'est d'apprécier ça et de se dire que ben, c'est tout. Au-delà de tout ça, ben, j'y vais quand même. Donc, il faut prendre ce temps-là. Il y a la solution. Il y a la solution pro aussi. Le salarié freelance qui peut bosser à distance, le rentier immo, l'entrepreneur, etc. Oui, effectivement, il y a aussi ce cas de figure-là. Tu as parfaitement raison. On va essayer de brosser tous les cas de figure dans chacun des points, enfin, dans les 5 volets qu'on verra ensemble en termes de retour. Donc, pour moi, en termes de retour déjà, en termes de catégorie, comme je disais tantôt, il y en a 5. Première catégorie pour moi, c'est la catégorie en fait des charges fixes. Ici, les personnes qui s'attendent à ce que je vous donne un chiffre pour rentrer, de vous dire que par exemple, comme quelqu'un m'avait déjà mis en commentaire 10 000 euros, Ali Bongo, je pense, ceux qui attendent d'avoir le chiffre comme ça, ben, ils seront déçus parce que je n'ai pas un chiffre comme ça à partager avec vous. Ce chiffre-là, chacun va déduire cela en fonction en fait de ses besoins en fonction de ce qu'il lui faut dans chacune des catégories. Et puis, quand vous allez finir de mettre les montants en face, ben vous allez sommer et puis chacun va tomber sur son montant. Donc, ça se trouve, vous allez finir de sommer, vous aurez vos 10 000 euros. Tout comme vous allez finir de sommer, vous aurez par exemple 50 000 euros, 100 000 euros pour ceux qui ont voilà, certaines exigences, entre guillemets. Parce qu'il faut dire aussi que quand certains rentrent, ben, ils rentrent oubliant que c'est un environnement différent. Ils veulent avoir un style de vie copié-collé à ce qu'ils avaient en Occident. Or, oubliant qu'il y a certaines réalités qu'il faut intégrer. Donc, il faut pas faire du copier-coller. Il faut faire du copier, on adapte, quoi, mais pas coller, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça fait que si vous voulez aller sur le dernier modèle de véhicule, aller sur un certain nombre de choses, très vite, en fait, la facture de retour va exploser et vous ne serez peut-être pas en mesure de rendre sa réalité avant une éternité, pour ne pas dire jamais. Donc, c'est pour cela que vous voyez beaucoup se retrouvent à ne jamais rentrer parce que la facture a tellement gonflé que, bah, à la fin, ils se disent que ce n'est pas possible que je rentre. Je n'ai pas encore le montant en fait, requis tellement parce que c'est des choses quand même un peu poussées, quoi. Vous ne pouvez pas vouloir rouler dans un certain type de véhicule pourtant. Vous allez pour vous établir, entre guillemets, donc ça sous-entend de commencer à un certain niveau et puis de grandir. Je ne dis pas que ce certain niveau doit omettre le confort, mais il y a confort et confort, quoi, qu'on soit d'accord. Parce que j'ai échangé avec certains de la communauté, quand ils vous disent ce qu'ils veulent pour le retour, vous vous dites que mon frère, tu n'es pas prêt de rentrer. Non, non, c'est sûr, c'est mort, en fait. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Quand tu vois l'état du compte, l'état de leur épargne, de leur situation, tu te dis, mais non, c'est mort. Toi-même, dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras encore là-bas parce que tu n'auras pas la possibilité de remplir
toutes tes conditions, tu ne pourras jamais cocher ces cases. Et quand on dit qu'est-ce qui est prioritaire pour toi, quand il te dit que ce qui est prioritaire, c'est mon confort, c'est ça, ben le mec, il n'est juste pas prêt à rentrer. Il faut qu'on se dise des vérités. Donc, il faut faire très attention. Donc, chacun va cocher, va mettre les montants, tout simplement. Donc, premier poste ici, pour moi, ce sont les charges fixes. Dans les charges fixes ici, je vais vous lister ce que moi, je mets dans les charges fixes et qui sont les charges fixes partout dans le monde où on se trouve. Donc, première chose, en fait, en termes de poste, vous avez déjà le logement parce que quand vous rentrez, il faut bien vivre quelque part. Quand on dit logement ici, il y a deux écoles. Il y a ceux qui, tant qu'ils ne sont pas propriétaires au pays, ne rentreront pas. Et ceux qui n'ont pas de problème à rentrer en tant que locataire. Moi, j'appartiens à la deuxième catégorie. Moi, ça ne me dérange pas de rentrer en tant que locataire. Et de toutes les manières, en Occident, on a toujours été locataire. Malgré le parc immobilier, on était toujours locataire. On a été une seule fois pendant une année et même pas propriétaire, enfin, propriétaire habitant. Le reste du temps, on a toujours été locataire. Donc, moi, j'appartiens à la catégorie des personnes qui rentrent en étant locataires et qui ne sont pas gênés plus que ça. Donc, maintenant, si vous voulez à tout prix être propriétaire, ben, c'est autre chose. Donc, il faut déjà prévoir le loyer. Loyer, première chose. Et si vous devez être propriétaire, ben, ça sous-entend d'avoir construit le logement. Vous voyez déjà la complexité avec ce premier point, c'est que lorsqu'on dit déjà propriétaire, mais ça sous-entend avoir déjà enterré des millions de francs CFA dans un logement. Or, certains commencent ou ont à peine de quoi, je ne sais pas, s'acheter un bout de terrain en Afrique. Donc, c'est pour vous dire que c'est déjà très chaud. Donc, si on parle seulement de ce point-là, vous comprenez que beaucoup ne rentreront jamais parce que le temps qu'ils achètent le terrain, qu'ils construisent la maison, et quand on dit construire la maison, les gars ne te parlent pas des petites maisons où, voilà, tu quelque chose de rapide où tu mets peut-être 20 millions dedans et puis c'est opérationnel. Voilà, c'est pas le truc très luxueux. Les gars te parlent des maisons où quand tu vois le plan et tout, tu te dis, mon frère, tu vas construire ça en combien d'années? Donc, quand vous avez déjà ces cas de figure, vous comprenez que ce sera compliqué. Le gars, ce sera compliqué qu'il revienne. Salut Nathanaël, je t'ai l'air passionné. Ah, salut Chimène et salut tout le monde. non, je suis venu écouter les passionnés. Ah bon, hein? Ne me fais pas rire. Ah là là, comment tu vas? je viens très bien. Et toi? Ça va, j'espère. Non. Ça va, en forme. En forme. Toi, tu penses retourner au pays? Moi? Mm-hmm. Bien sûr. D'ailleurs, moi, je vais tout le temps au pays. J'ai jamais fait... Non, retourner en mode définitivement, pas retourner en mode, voilà, de temps à autre. Est-ce qu'on retourne définitivement quelque part? On quitte, on voyage, on se promène. On ne peut pas retourner définitivement. Oui, mais pour moi, définitivement, c'est sous-entendu, je ne bouge plus. Mais non, moi, pas dans ce sens. Mais après, tu dois bien avoir un pied à terre quelque part où, voilà, c'est ton point de repère. Et c'est de là que, voilà, tu voyages, mais tu reviens toujours à ce point-là, tu vois, un peu. Si c'est ça, ça veut dire que tu veux me dire que je n'étais jamais parti. Parce que moi, je rentre tout le temps, chaque année. Je ne suis pas de ceux qui sont partis du pays et qui font 5-10 ans sans jamais repartir. Moi, tous les ans, je suis au pays. oui, tu es au pays, mais sauf que ton point d'attache aujourd'hui, c'est la France, ce n'est pas le pays. Ce n'est pas le Bénin, ton point d'attache, c'est la France. Comment donc, ça? Tu as beau partir, tu pars pour un mois, souvent tu fais 2 mois et c'est tout, et tu retournes, tu passes 10 mois en France. Maintenant, moi, je te parle de passer 10 mois en Afrique et d'aller faire 1 mois en France ou 2. Ah, bon, ok, là, on est plus précis, là. Là, on est plus précis. Oui, je pense que ça va bientôt, ça va arriver, bien sûr, pourquoi pas. Parce que c'est clair que c'est quelque chose qui me fait réfléchir, de changer... la donne est de passer plus de temps en Afrique plutôt qu'en Occident, bien sûr. C'est plus dans ce sens parce que aujourd'hui, c'est ce que tu fais 10-2 ou 11-1 de l'autre côté. L'idée, c'est que tu inverses la tendance et
Et on voit si c'est des sitôt, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 10 ans, ou bah, ce sera toujours dans Ah ton ben ça, esprit. honnêtement, je ne sais pas, c'est quand mon corps, ma tête et mon mind, cette personne va me dire que c'est le moment, ben ça sera le moment. On parle trop comme les gens qui vont rester toute leur vie en France. C'est toujours en Non. mode Non, non, pas là, du tout, pas du je tout. porte là, je porte Je ne crois pas que je avec vais rester toute ma vie en Occident. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que je vais rentrer, bien sûr. Seulement que je ne me suis pas fixé une date actuellement. Je ne suis pas de ceux qui se disent, bon, la date butoir, c'est temps. Et à partir de ce moment, ils ne commencent pas à travailler sur ça. Tu vois, Nathanaël, on parle de l'endroit où tu vas passer la majeure partie du temps. Voilà. Ouais, c'est pour le moment, Amlanka, je ne sais pas encore. C'est où tu es résident fiscal qui compte. Pour le moment, en fait, j'ai pas encore, je ne me suis pas encore fixé une date, mais c'est quelque chose qui me tourne la tête. Et notre caméra qui dit Nathanaël prend la liberté financière, mais il semble bloqué en France contre sa volonté. Non, 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 c'est pas... non, c'est pas contre ma volonté, loin de là. Loin de là, c'est pas ça, non. C'est moi qui j'ai choisi de rentrer, de revenir en France et de repartir en Afrique quand je veux. Mais en fait, pour répondre à Chimène, est-ce que je sais quand, par exemple, je vais décider d'aller vivre 10 mois au Bénin et 3 semaines en France? Ça, je ne sais pas encore. Ouais. Peut-être que c'est dans un an, voire deux. Ce sera même peut-être à la retraite, tu Ah repartiras non. dans la Non, non, catégorie non. Je pour pense que voir comment tu je pense que tu réagirais. seras surprise. Tu seras la première surprise quand je vais te dire que je suis au Bénin pour toujours. En tout cas, nous on vous attend de pied Ça ne sera ferme. pas à la retraite, ça c'est sûr. C'est sûr que ça ne sera pas à la retraite. Non. Non, c'est C'est certain. important. Ah Ah ouais, bon? par rapport à ça, j'étais en train de parler du fait qu'il fallait prendre en compte certains postes, comme le poste des charges fixes, tu vois. Et dans les Oui. charges fixes, je disais, il y avait la maison, soit on était locataire ou propriétaire, donc c'était l'une des deux écoles à appliquer. Et pour ceux qui souhaitent rentrer en étant propriétaire, je disais que c'était difficile, en fait, pour certaines de ces personnes-là, parce que le problème, c'est qu'il faut un certain temps pour construire en fait sa maison, acheter son terrain, construire. Et tout ce temps-là, ben, c'est le temps où rien ne se passe. Et souvent, le temps que la maison finisse, on est déjà retraité. Parce qu'on construit à petits coups. Quand on a un peu d'argent, on met dedans, on fait le premier. On a un peu d'argent, on fait ça s'appelle la dalle. On a un peu d'argent, on pousse les murs. Et la maison, on voit le jour en 10, 20 ans. Donc, c'est le temps où rien ne se passe en fait pour beaucoup et ils finissent par vieillir en Occident. Oui, c'est vrai que, bon, quand tu sors dehors ici, dans les trams et dans les parcs, tu vois qu'il y a beaucoup de. Tu en vois qui te disent, je veux rentrer, ça fait 20 ans que je veux rentrer. La première fois que j'ai pensé à rentrer, ça fait 20 ans. Et quand tu demandes pourquoi tu es encore là, la réponse ne vient pas. Donc, c'est vrai que quand tu te fixes des objectifs comme avoir ta propre maison déjà construite et avant de rentrer, parfois, ça peut devenir très compliqué aussi, surtout quand on sait que parfois tu te fixes des objectifs sur lesquels tu ne travailles pas forcément. C'est un peu le cas de plusieurs personnes qui ont dit, bon, je veux construire, mais qui ne passent jamais à l'action pour savoir combien coûte un terrain, ni dans quelle ville ils veulent construire, ni qui n'ont même pas d'épargne, tu vois, pour dire, bon, je veux commencer par mettre les choses en place. Et quand même tu te décides, comme tu l'as dit, parfois, il faut envoyer un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, ça prend finalement tellement de temps que tu finis par passer 20, 30 ans sur place, quoi. Exactement. Donc, côté charge fixe, il faut faire attention à ce poste de l'habitation. Ensuite, il faut prendre en compte forcément les autres postes comme l'eau, l'électricité, Internet, les transports. Et côté transport, je dis aussi, je mets un bémol là-dessus parce qu'il y a des gens côté transport qui veulent avoir le dernier Hummer ou je ne sais pas trop quoi pour se déplacer tant qu'ils n'auront pas ça.
le confort ne sera pas assuré pour eux. Le souci, c'est que lorsqu'on veut un tel type de véhicule pour rentrer, et surtout quand on va dans une dynamique d'entreprendre, j'ai peur que ce ne soit très compliqué, surtout lorsqu'on n'a pas des épargnes qui puissent être conséquentes pour soutenir un tel train de vie. Parce que qui dit grosse voiture dit aussi que beaucoup d'entretien, beaucoup d'essence, beaucoup de tout aussi. Et ça devient très vite en fait un poste de dépense important. Donc il faut faire très attention également à ça, au transport. Il y a aussi la nutrition. Forcément, tous les mois, il faut se nourrir. Il y a tout ce qui est loisirs. Et quand on repart avec des enfants, il y a la scolarité des enfants qu'il ne faut pas oublier. Scolarité, tout ce qui tourne autour de l'enfant. Et il y a aussi ceux qui sont... Il y a deux écoles. Ceux qui veulent les écoles occidentales pour les enfants, là. Les écoles américaines, les écoles françaises, les écoles ceci. Et quand vous voyez la scolarité dans certaines de ces écoles-là, vous vous dites que, mais quand vous sommez tout ça et que vous n'avez pas un seul enfant, vous avez la crèche, comme je les appelle ici, vous avez une petite crèche que vous devez mettre pour chaque tête, le montant qu'on a indiqué pour une école américaine, une école française, vous vous dites, oula, vous n'êtes pas prêt pour ça, quoi. Moi, je dis plutôt que parfois, désolé de te couper, mais je dis plutôt parfois que, en fait, même quand on décide de retourner, par exemple, en Afrique, et quand tu parles de dépenses fixes, ce sur quoi je suis totalement d'accord, j'ai beaucoup plus l'impression, en fait, qu'on surestime ce qu'on met dans dépenses fixes. En fait, on quitte le niveau de nécessité de besoins primaires. On ne va plus vers vraiment les besoins primaires. Quand tu parles, par exemple, de grosses voitures, est-ce qu'on en a vraiment besoin parfois? Est-ce qu'on non, a tu parles... vraiment... Nathaniel, c'est parce que tu n'as pas échangé avec certains de la communauté. Non, mais je leur réponds. Justement, non, je ne t'attaque pas toi. Je réponds en fait. Je réponds à ces personnes qui disent, par exemple, je veux une grosse voiture. Est-ce que c'est un besoin primaire? Est-ce que vraiment on en a besoin? Même, le gars va te dire que les routes sont cassées, il a besoin de ne pas sentir les chocs. Quand il se balade, il a besoin de ne pas sentir que ça fait, la route fait, enfin, tu es dans la voiture, tu fais comme ça, tu vois. Et il a besoin d'une voiture haute pour ça, donc pour limiter les chocs. Donc pour lui, c'est un besoin fondamental. Il dit qu'il faut qu'il ramène un peu de son bain aussi au pays. c'est ça le problème. Le problème, c'est que on veut parfois rentrer, mais on veut surtout impressionner ceux qui étaient tous là. Généralement, ce n'est pas des besoins primaires. Généralement, c'est parfois même c'est des besoins pour impressionner, pour dire bon, c'est là où maintenant, là, c'est là où je suis. Si je ne suis pas là, si je ne montre pas que je viens de là-bas, ça va être compliqué. C'est-à-dire, si je vais dans une école privée qui n'est pas une école française ou américaine, ça ne prouve pas aux autres que je viens de là-bas. Pourquoi les autres qui sont au pays, qui n'ont jamais voyagé, peuvent se payer cette école? Alors que moi qui viens de là-bas, je ne peux pas me payer peut-être cette école. Donc, on s'est dit, bon, ce n'est pas encore le moment, il faut que je travaille jusqu'à ce que je puisse payer cette école pour les enfants. Et finalement, je me demande, est-ce que c'est vraiment un besoin primaire? Ou bien, je ne sais pas comment te dire ça, mais pour moi, c'est que les gens, j'ai l'impression, ils surestiment en fait cette dépense, tu vois. Surestiment leurs dépenses, surestiment leur niveau de vie et parfois même dépasse même leur épargne pour se dire, bon, je rentre, mais je peux me permettre tout ça parce que j'ai peut-être 50, 60 000 euros en se disant, mais en oubliant que 60 000 euros, bon, c'est gros quand c'est là. Et quand tu commences pas à puiser dedans, ça commence pas à partir. Oui, il y a première classe, Emmanuela qui dit, pour l'école française, tu as des bourses si tu as la nationalité. Oui, il y a les conditions et les critères sont tellement, voilà, Toti, je t'invite à aller regarder. Par exemple, quand tu prends pour le cas du Cameroun, dont j'ai un peu plus de maîtrise là-dessus, je t'invite à aller regarder peut-être pour le cas de ton pays, pour que tu vois un peu ces critères-là d'octroi également, et tu te rends très vite compte que ben, c'est toute une affaire en fait pour obtenir cette ou cela, entre guillemets. Et encore, faudrait-il que tu rentres en mode tu as la nationalité, parce que ce n'est pas encore tout le monde qui rentre avec cette nationalité-là. Donc, ça fait que, bah, forcément, si tu te retrouves avec un enfant, par exemple, si tu pars dans
pour dire la référence au pays, en tout cas pour parler du Cameroun. Quand tu es dans l'école Fustel et Collage, là, Fustel, là, au pays, les gens savent de quoi je parle, Fustel, quand on dit Fustel, tu te retrouves un enfant, tu as 2 millions 5, 3 millions, 3 800 euros, un enfant. Deuxième enfant, 3 500, troisième enfant, 3 400. Donc, en fait, on te retire quoi? 300 et puis 300 en fonction, c'est décroissant en fonction des enfants. Donc, maintenant, prenons le cas simple. Tu n'as que trois enfants pour toi. On parle de 3 800, 3 500, 3 400. Ça fait plus de 10 000 euros. On a 11 000 euros comme ça, la scolarité, une année de ces enfants-là. Et là, je t'ai parlé juste de la scolarité. Je ne te dis pas que les enfants-là sont déjà habillés, que les enfants-là. Ils ont déjà de quoi être déposés le matin, qu'ils ont déjà à manger. Non, je te dis juste qu'on est parti d'abord donner à l'école sans parler maintenant de comment on va les nourrir, comment on va les déplacer tous les jours. Parce qu'à côté encore, vu qu'il faut suivre le rythme, il faut chercher le chauffeur, il faut chercher aussi des choses adaptées, en tout cas des sacs, des choses comme ça, adaptées aussi au statut de Fustel, etc. Donc, tu te retrouves seulement les enfants. Tu n'as même pas encore parlé pour toi. Tu parles seulement de tes enfants. Tu comprends que quand tu commences à mettre ça pour celui qui disait qu'il faut 10 000 euros pour rentrer là, tu comprends qu'avec tes 10 000 euros, tu payes seulement la scolarité des enfants et c'est fini. Bon, si toi tu rentres seul et que tu n'as pas d'enfants, c'est bien. Au moins, tu n'auras pas les 10 000 euros à sortir, tu vois. Et que si tu veux aller forcément à Fustel, cet établissement-là, ou d'autres dans les mêmes genres, bah, tu comprends que voilà le prix qu'il faut payer en fait pour ça. Donc c'est chaud. Il faut faire attention. Ce volet-là. Et un autre argument qu'ils vont t'avancer, c'est de te dire que bah, l'idée, ce n'est pas de déconnecter l'enfant en fait de ce que l'enfant a déjà. C'est pour que ce soit une certaine continuité. En soi, ce n'est pas faux. C'est bien que l'enfant ne soit pas brutalement mis dans un nouvel environnement. Mais ce que beaucoup de parents oublient, c'est que les enfants s'adaptent très vite, plus rapidement que nous, les parents. Donc, quel que soit le système dans lequel tu vas le mettre, tu vas voir, ce sera avec une rapidité. Quand nous sommes arrivés, pour prendre mon exemple, mais je vous assure que mes enfants ont pris l'accent local avec une rapidité. En même pas un mois, c'était plié. C'est-à-dire que quand tu les écoutais un mois plus tôt. Les vidéos qu'on a eu à faire, des petites vidéos à la maison et autres, tu te dis, mais en fait, c'est ma fille, telle qui parle comme ça. Elle avait pris l'accent local, mais même pas 3 semaines, ma fille me parlait déjà avec, jusqu'à elle me disait, et qui est? Comment ça? Des expressions locales, en fait. Et ça n'a même pas eu, on n'a même pas eu un mois à faire au pays. Et il n'y avait pas encore l'école. Donc, pour vous dire que c'était encore au quartier, quand l'école est arrivée, le peu qui restait encore est fini, c'est-à-dire en se mélangeant avec ses camarades et tout, le petit peu qu'il y avait, c'était fini. Pour vous dire qu'en termes d'adaptation, c'est les parents qui se font des nœuds au cerveau, en fait, avec cette affaire de oui, il ne faut pas que ce soit brutal, il ne faut pas que ce soit si ça. Je ne dis pas que vous allez aller lancer l'enfant dans un établissement pitoyable, mais quand même, quoi. Je veux dire, à un moment, lorsqu'on se retrouve à mettre ça comme premier critère, oui, on doit penser au bien-être des enfants, mais à un moment, il faut aussi mettre le prix à côté. À quel prix? Salut Ariane, salut Liberté. Je vois que Liberté déménage Bonjour. dans sa maison. Salut. Non, je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison aujourd'hui. Je suis hors de la maison. Ah, d'accord. Je suis hors. Vous Dis-nous, m'écoutez? Liberté. Oui, on t'entend bien. Ok. C'était combien faut-il. Moi, je crois que rentrer au pays, il n'y a pas de coût. Hein. La question qu'il faut se poser, c'est d'abord combien faut-il pour venir en Europe? Si on se pose Merci, cette question, il faut se poser la question quand même. merci Liberté, merci Parce que. beaucoup. Nous, on est les opposants et en fait, il faut Pardon. poser la question dans Pardon, l'autre sens. laisse Bien sûr, Liberté Bien parler. sûr, Bien sûr, je suis d'accord. Vous m'écoutez? Ariane, laisse Vous Liberté m'écoutez bien? développer avant cette comme si. On Alors, t'entend non, bien. la question c'est combien faut-il pour. La question c'est combien faut-il pour venir en Europe? Si on ne peut pas se poser cette question, pourquoi doit-on poser la question combien faut-il pour rentrer? Parce que si tu te poses la question Exactement. combien faut-il pour rentrer, c'est que tu es en train d'aller faire du tourisme.
Parce que nous Oui, arrivons merci. en Europe, on pense Merci. s'installer. Donc, au même titre, quand on rentre en Afrique, il faut chercher à se battre pour s'installer. Le problème, c'est qu'on a, Merci. on a beaucoup de complexes quand on veut rentrer. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens échouent. Parce qu'aujourd'hui, tu me parles de Fustel. Et je ne vois pas la comparaison entre l'école européenne et Fustel. Fustel, je ne veux pas faire une mauvaise publicité, mais c'est pour les enfants qui n'ont rien à faire, les parents n'ont rien à faire avec l'argent. Comment tu peux payer 1 million? Comment tu peux payer 1 million pour un... Même en Europe, est-ce qu'il paye Rien du tout. un million pour Tu envoyer les peux enfants à payer l'école? 11 millions. Ils vont chercher l'école Donc, publique moi, à je côté, trouve en que face de la maison. c'est ça. En Europe, c'est Sauf ça. que En Europe, la plupart nous, d'entre eux, les enfants sont dans les écoles publiques. voilà les parents qui n'investissent pas pour l'avenir de leurs C'est pas enfants. une Les question de ne voilà pas à rien investir. faire. On veut Les investir, voilà mais qui n'investissent rien pour les enfants. non, il n'y a pas Le dimanche d'investir pour dernier, l'instant. j'avais trouvé le même propos. Pourquoi se demander, se dire, je dois avoir tel montant avant de rentrer chez soi, alors que tu es venu avec 200 euros en poche quand tu venais? Merci. Merci. Voilà les parents qui n'investissent pas pour leurs enfants, qui sont Pas à du quel tout. même peut-être, et que tu es Regardez venu en bateau. En bateau, les tu n'avais pas de maison. Maintenant, avant de rentrer, il faut d'abord faire la maison. Tu n'es pas né là-bas. Tu es visages. né où d'abord? Tu es né dans les calabots. Même si c'est dans les calabots, retourne dans les calabots et bats-toi en 2 ans. Tu remontes. Ah oui, il y a ce plan d'action-là pour quand on va en Europe. Est-ce que quand on va en Europe, on se dit, bon, le logement tant, le repas tant, les enfants tant, est-ce qu'on se fait le même plan d'action? On prend d'abord l'avion, on voit sur place, non? On atterrit d'abord chez quelqu'un et on se bat. Pourquoi on a ce regard de l'Afrique-là, dénigrant de l'Afrique, comme si c'était une jungle? L'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique, on a déjà des choses bâties sur place à tous les plans, économiques, sociales, etc. Ce n'est peut-être pas très avancé, mais il y a quand même une base. C'est à nous de construire l'Afrique. Si en fait c'est venir en Afrique avec l'État européen, avec un état d'esprit européen. Voilà. L'état Ariane, j'ai d'esprit envie de te européen. poser la question. Ariane, moi, la question pour toi, et ensuite la prochaine question, c'est pour Liberté. Voilà sa question déjà. Les gars, le gars est au state avec des écoles à 5 chiffres, il vient chialer pour 2 000 euros par enfant, par an. Ça, c'est pour toi, Liberté. Pour Ariane, ma question, quand tu pars quand même en Occident, avant qu'on nous octroie le visa, tu dois justifier d'un hébergement. Est-ce que tu pars en mode, tu pars en mode SDF? Tu dois quand même justifier pour dire qu'il y a un oncle ou une tante qui va t'héberger, qui fournit les justificatifs. Ou alors tu fournis les justificatifs d'un logement que tu as déjà loué à l'avance et versé, ainsi de suite. Avant qu'on t'octroie le visa, ce n'est pas en mode tu pars et puis tu arrives à l'aéroport. Bon, je suis arrivé, qui peut m'héberger? Donc, pourquoi, quand tu es dans ce sens-là, tu fais ce travail-là et dans l'autre sens, tu pars en mode ben, j'arrive à l'aéroport et puis je cherche Non, où je vais. Non, Chimène. non, je pose En la fait, question à Ariane, comme, parce que je veux c'est bien elle qui a. répondre. Je veux bien répondre à ta question. Je l'aime beaucoup. Mais après, Ariane, si tu veux. D'accord, vas-y alors, Nathanaël. Non, après toi, Ariane, vas-y. Puisque c'est Ah, pour toi. après moi. Ah, Oui. d'accord. En fait, elle a la réponse dans sa question et c'est ce qu'on venait de se dire en fait avec Liberté. Oui, il faut un point d'attache. On te demande même parfois un minimum financier que tu ailles au Canada. Le Canada, à l'époque, il mettait même un certain montant et tout. Bien sûr qu'on va quand même avec un minimum en poche, 300 000, 500 000, bref, selon ce que tu peux. Tu as d'abord en fait un point de chute d'atterrissage. Donc en Afrique, c'est pareil. Quand on est d'abord né dans nos pays, quand tu rentres au pays, il y a au moins un oncle, une tante, non? Est-ce que tu es obligé de rentrer en te disant, il faut déjà que j'ai la maison, je vais aller louer. Quand tu partais, tu étais d'abord où? C'est ça, c'est juste un point de chute de départ. Et quand tu rentres, ah, si tu rentres avec 500 euros, 600 euros, moi je connais une fois par, je parle une fois de plus de mon expérience, hein. Donc, moi je connais quelqu'un, une famille, monsieur, madame et les 2 enfants, du jour au lendemain, ils sont rentrés en Afrique. Aucun plan. Aucun plan avec les enfants. Et je vous assure, ça fait 12 ans qu'ils sont au Cameroun. Ils n'ont plus jamais fait le marche arrière. Je dis que même pour venir, juste genre, les vacances, ça ne leur manque absolument pas. Ariane, C'était dur les 2 premières. pourquoi tu ne fais Mais pas c'est ce comme que. eux? Mais je t'ai dit que je l'ai fait il y a 2 ans. Je l'ai fait il y a 2 ans. Mais bien sûr. Mais bien sûr, je l'ai fait. Je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas besoin d'un million pour arriver au pays. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça, en fait.
battez-vous sur place. C'est pareil dans le sens contraire. Tu as un point de touche, il y a forcément un oncle, un tonton qui va te dire que ah, j'ai un appartement là, c'est en location, mais bon, pour toi, les 6 premiers mois, ne loue pas. Une fois que tu as du travail, tu me payes quelque chose, un point de chute. Après, tu te bats localement, tu étudies le marché localement, tu te réadaptes au climat localement. C'est cette vision de l'Afrique là, en fait, avec laquelle je mets beaucoup de réserves, en fait. Ça donne une image un peu de je sais pas, de genre, mais sur le reste, après, comme on s'est dit, hein, et je suis d'accord avec vous, ça dépend de ta situation. Hein, quand on rentre en Afrique, comme quand on va en Europe, si vous êtes en famille, ah, tu laisses d'abord madame et les enfants. Une fois que tu te bats là-bas, tu as une certaine situation, tu les fais monter. C'est pareil pour le pays. Voilà. Quelle est la différence, en fait? Le regard, c'est dans l'autre sens. Mettez les lunettes de la personne en face. C'est tout cet apport-là, juste que je voulais dire. Sur le fond, je suis d'accord avec vous, il faut prévoir tout quand même, voilà. Mais c'est juste que moi, je fustige le regard européen qu'on met pour entrer en Afrique, alors que dans l'autre sens, on se posait pas autant de questions. On s'adapte à tout, quel que soit l'environnement où on va. Et c'est valable pour l'Afrique. C'est difficile les premiers temps, mais après, on s'y fait. Parfois, il y a des situations de non-retour, tu n'as pas le choix. Parfois, si tu as le choix, ok. Et puis, Nathalie, lui, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, après, je te laisse la parole. En te chahutant, en te disant que oui, enfin, je crois que c'est Chimène qui te disait que, ou alors, je ne sais pas qui te disait que, pourquoi tu ne rentres pas donc en Afrique, etc. Mais qu'on se dise la vérité, quelqu'un qui a été en Europe, surtout ceux qui ont déjà la nationalité, bien sûr qu'ils auront toujours un pied dans leur pays d'adoption, ne serait-ce que pour les enfants, pour ceux qui en ont. Hein? Le retour en Afrique peut être définitif pour certains, le cas de la famille dont je vous ai parlé, les deux sont Camerounais, donc la nationalité des enfants, les enfants ne l'ont pas. Même si eux l'ont. Cet ami-là, il a dit, moi, voilà, l'Europe, ça ne me dit rien. Mais si les enfants grandissent, ils veulent y aller, ok. Ils ont qu'à aller se battre là-bas, ça n'intéresse pas. Mais on a toujours un pied dans son pays d'adoption quelque part. On garde toujours un pied, ça, il faut se dire la vérité. On rentre définitivement, même ne serait-ce que pour la santé. Il y a quand même certains avantages en Occident. On fait quand même un tour là-bas, mais ça ne veut pas dire qu'on y vit 50-50 ou voilà. Donc, ça dépend des cas. Mais qu'on se dise la vérité, en Occident... quelqu'un qui a vécu en Occident aura toujours un pied à terre là-bas, hein. Toujours. Toujours. Merci Ariane. Vas-y Nathanaël. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on a pris le cas, quand on prenait le cas de quelqu'un qui quitte l'Afrique pour venir en Europe, on se disait tout à l'heure, tu disais que pourquoi on ne fait pas le calcul en fait? Pourquoi on nous impose ce calcul? Très souvent, c'est quand tu n'as pas d'attache en Europe, on t'impose ce calcul. Quand un Français veut quitter l'Afrique pour revenir dans son pays, on ne lui demande pas un minimum de prouver en fait qu'il a une certaine somme. Non, le gars va avec sa nationalité, il justifie qu'il il rentre chez lui. Donc, c'est supposé que soit ses parents, ses oncles ou quelqu'un a une maison dans laquelle il peut vivre. Et même si sur son compte bancaire, il a 0 euro, il rentre chez lui. Tu ne vas pas lui refuser. La seule chose qu'on lui demande, c'est d'acheter son billet d'avion. Ou s'il veut rentrer par la nage, il rentre chez lui. Donc, nous, en fait, c'est pourquoi dans l'autre sens, en fait, les Africains s'imposent, en fait, d'avoir une grosse épargne alors qu'ils rentrent chez eux. La dernière fois, le dimanche dernier, je l'ai dit, moi, le jour, ça me vient de rentrer chez moi. Si ça me vient le samedi, bah, 30 jours après, j'ai fini mes bagages et je suis parti. Nathanaël, je peux répondre à ton interrogation. Dans l'autre sens, quand tu as un Français, comme tu le dis si bien, qui décide de rentrer chez lui, lui, la seule chose qu'on lui demande, effectivement, c'est son billet d'avion et de justifier qu'il a un passeport Bordeaux. Quand il montre ces deux-là, on ne lui dit pas, même si pas être SDF là-bas, on est d'accord. Maintenant, la différence que tu as entre un Français et un Africain, disons un Camerounais, Ariane et Liberté, voilà, s'identifie dans le Camerounais. C'est que le Français, s'il arrive et qu'il n'a pas de quoi manger, il y a les minima sociaux en France. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là ne va pas mourir de faim s'il a besoin d'être soigné dans la... quand il arrive là-bas. Comme vous l'avez si bien dit tous les deux, c'est que quand il va aller à l'hôpital, on ne va pas le regarder comme un déchet humain devant l'hôpital. On ne va pas lui dire que monsieur... est-ce que vous avez l'argent pour payer les soins? On va d'abord le soigner. Une fois qu'on aura fini de le soigner, c'est là où on va se demander, le gars, il a quoi? Est-ce qu'il a même une assurance maladie? Est-ce qu'il a une complémentaire? Ainsi de suite. C'est comme cela qu'on va réagir. Maintenant, reprenons notre Africain qui rentre au Cameroun, un bon Camerounais comme nous le sommes là. Quand il va arriver, lui n'a rien en poche. Il a son billet d'avion, comme on a si bien dit pour le Français, et il a son passeport en dollars, comme nous l'avons.
Et il rentre forcément, on va lui dire, rentre chez toi, il n'y a pas de souci. Avec ces deux critères, il rentre. Mais maintenant, quand ce monsieur-là, sans rien en poche, va se retrouver malade au Cameroun, de vous à moi, devant les hôpitaux, vous pensez qu'on va lui dire que, monsieur, voici le brancard, entrez, on vous soigne. La première question, même si tu es un accidenté de la route, les vidéos circulent, les exemples de mes collègues, des amis médecins sont nombreux, choqués et tout. Les infirmiers, c'est sa pilule en fait au pays. Le gars va mourir devant l'hôpital, les femmes enceintes oui. meurent dans les hôpitaux, oui. etc. Oui. Vous pensez que ce gars-là, s'il n'a pas un minimum dans sa pilule, il va mourir, Nathanaël. Bien sûr, ceux dont tu parlais depuis tout à l'heure, les frais dont vous étiez en train de parler, en parlant de grosses voitures, en parlant de popularité à 2000 euros ou à 3000 euros. Quand vous avez ramené le débat au fait que vous n'avez besoin de rien pour rentrer dans votre pays, nous on était en train de partir. Le titre du live, c'est « Combien il faut pour retourner en Afrique ?» Vous avez en fait, eu le débat du combien il faut retourner en disant qu'il ne faut rien du tout à un moment, il ne faut pas trop être dans les planifications, les budgétisations. Avant que moi je vous ramène donc à la va se retrouver là, son enfant sera malade devant l'hôpital, son enfant va mourir sous ses yeux. On t'a compris. On t'a en fait. Donc, pour on t'a compris. Et que ce n'est pas la même chose. Vous êtes obligé d'avoir. On t'a compris. On t'a compris, Chimène. Effectivement, pour recentrer le débat, on évoquait juste ce côté-là pour en fait fustiger tout le plan d'action. Mais on n'a pas dit qu'il faut rentrer au pays sans rien non plus. Moi, je rejoins Nathalie qui disait juste que apprenons à nous adapter avec le minimum de départ. En Afrique, on peut évoluer beaucoup plus vite qu'en Europe. Contentez-vous de votre point de départ, en fait. Si tu dis que tu rentres au pays, Nathalie, toi qui nous disais ça samedi dernier, non, que tu rentres souvent au Bénin avec 300 euros, 300 francs CFA et que tu vis bien ton séjour avec 300 000 francs CFA. Contentez-vous, c'est-à-dire que si ton budget, c'est 300 000, gérez d'abord votre petit 300 000 là. Mais les plans d'action qu'il faut construire, la maison, il faut ceci, il faut cela, c'est la petite nuance, en fait. Bien sûr qu'il n'y a pas de social. Quelqu'un qui est malade, tu n'as pas l'argent, tu n'entres même pas à l'hôpital. On a vu les gens mourir. Tu n'entres pas à l'hôpital, ça c'est sûr. Mais l'avantage en Afrique, c'est quoi? On a quelque chose qu'on n'a pas très développé ici en Europe. Déjà, voilà, tout ce qui est transactions financières, c'est très peu développé en Afrique. C'est l'Afrique, en Europe, c'est l'Afrique qui connaît très bien tout ce qui est le paiement par mobile, etc. Quelqu'un même, tu vas lui demander, ah, fais-moi un petit homme là de 10 000, je suis devant l'hôpital. Trois personnes peuvent te faire, on a les tontines. Il y a de quoi se démerder d'abord au départ, mais bien sûr qu'on n'a pas le souci. En tout cas, si on évoque le point de santé, je pense qu'on va être tous d'accord sur le débat. Il n'y a pas de santé dans nos pays. Voilà. Mais pour le reste là, débrouillez-vous avec votre peu d'abord. Partez même à un petit budget, mais ne procrastinez pas pendant 20 ans. Je ne rentre pas tant que je n'ai pas. Il y en a qui sont rentrés sans pas grand-chose. Et au bout de 2 ans, s'en sortent quand même beaucoup plus que vous qui avez passé 30 ans en Occident. C'est juste ça la petite nuance. Oui, quand tu dis pas ceux qui sont rentrés sans pas grand-chose, justement, Ariane, c'est de définir ce qu'on met dans le pas grand-chose là. Qu'est-ce qu'on met dedans? Ouais. Ça dépend énormément des situations de retour des uns et des autres. Mais on est d'accord qu'on peut rentrer, quelle que soit la somme. Mais maintenant, il faut que la somme reste quand même cohérente avec l'environnement qui te permette, par exemple, de te soigner, qui te permette d'avoir certaines petites choses en cas de besoin. Tu parlais des OM. Ceux qui sont morts devant les hôpitaux, là, n'avaient pas les familles et tout. Sauf quand tu es accidenté, qu'est-ce qu'on te gère? Est-ce que tu as la bouche c'est clair. Mon proche va m'envoyer. On va venir à ton deuil. On va venir dépenser les millions à ton deuil. Oui, bien voilà. sûr. Ça, c'est donc, réalité. C'est... Bien sûr. Donc, c'est pour te dire qu'à un moment, il faut définir c'est quoi ce qu'on met dans ce minimum-là. Est-ce que, voilà, le minimum veut dire que tu rentres vraiment, tu n'as même pas, disons, moi, je ne sais pas, un minimum pour te loger, tu n'as pas de quelqu'un qui peut t'accueillir, d'accord. Quand vous parlez d'accueillir, peut-être tu es seul, tu te retrouves Ariane, ok, tu rentres seul ou Nathanaël, mais quand tu rentres avec une femme, avec 3-4 enfants, tu crois que tu vas aller rester chez ton frère qui a une maison, une chambre, un salon? Bien Est-ce que tu non. vas aller rester chez son ton Bien père? Non, mais je n'ai pas besoin de logement. Oui, je ne reviens pas, Nathanaël. Mais un, on ne peut pas aller dans une chambre avec ton père. C'est ce que je veux te faire comprendre. Mais tu ne vas pas aller serrer dans ta chambre avec tout ce beau monde-là.
tu vas trouver quand même un logement chez quelqu'un. Et je n'ai jamais vécu chez quelqu'un, même quand je rentre seul. Mais je n'ai pas non plus besoin de mettre 1000 euros ou de me dire que j'ai besoin d'une Range Rover 2023 ou 2024. Que j'ai besoin même s'il faut serrer, on va se serrer. On va se serrer dans la maison là. Ma soeur est partie des États-Unis. Un logement pour me protéger, pour protéger ma famille, ça c'est normal. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une villa, par exemple. Si mes moyens me le permettent et que j'ai assez d'argent, oui, je peux le faire. Mais si mes moyens ne me permettent pas et que je dois me repousser ça pour dans 30 ans et que finalement ça ne sert à rien, tu te bats pour quelque chose qui normalement n'a pas lieu d'être si tu veux vraiment le bonheur parfois. En fait, moi par exemple, Chimène, et je te le dis encore, je n'ai pas besoin d'une épargne de 50 000 ni de 100 000 euros sur mon compte bancaire pour rentrer. J'ai besoin par contre d'une source de revenus. Je l'ai déjà dit la dernière fois, ce qui est plus important pour moi, c'est avoir une source de revenus. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai des freelances qui vivent en Afrique, qui gagnent entre 1 500 et 2 000 euros par mois, qui ne payent pas de taxes, qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent absolument rien. 2 000 euros dans leur poche. Super. Tu prends le même freelance, tu déposes le même freelance à Paris, on va lui prendre 45% de ses revenus. Donc, presque la moitié. Et il ne peut même pas épargner. Déjà parti. Il ne peut même pas épargner. Dans ces conditions, est-ce que ce freelance, s'il rentre tout de suite avec ses 2 000 euros en poche, il ne serait pas plus heureux sur place que de rester à attendre d'avoir 20 000 euros sur son compte? C'est ce qu'il faut dire. Moi, le truc le plus important, c'est la source de revenus. Ce n'est pas l'épargne. Mm-hmm. L'épargne que tu as 10 000 euros ou 5 000 euros, tu peux rentrer et déjà installer ta famille, puis améliorer le reste avec tes sources de revenus. C'est ce que moi, je ne dis pas qu'il faut rentrer sans argent. Ça serait trop bête de ta part. De rentrer les poches vides et d'attendre que quelqu'un te donne à manger. D'ailleurs, personne ne va te donner à manger. Personne ne va te donner avec ta famille et que tu veux qu'on te les loge. Donc, tu rentres avec le minimum vital, mais avec tes sources de revenus. Mais je ne vais pas attendre d'avoir 100 000 euros sur mon compte ou pour dire, bon, je dois pouvoir m'acheter une grosse voiture, une grosse maison, mettre l'enfant dans une école à 5 000 euros. Non, mais ça, c'est rêvé. Non, pour ceux qui ont ces moyens-là, ils peuvent. Hein. Attendez, on ne juge personne. Quelqu'un qui peut le faire, il le fait. En fait, je te comprends, Nathalie, et je comprends aussi Chimène. On est d'accord avec toi. La source de revenus, c'est ce que je disais un peu. Même si tu n'as pas encore de source de revenus, on a quand même les tontines. Il y a les tontines à 50 000, il y a les tontines à 25 000, il y a même les intérêts. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu n'attends, c'est qu'en fait, le loyer pèse moins comme ici où ça peut te mener à l'endettement. Après, effectivement, ça dépend des situations. Ce qu'on veut dire, en fait, et je rejoins Chimène, en tout cas, moi, ce qu'on m'avait dit, hein, Chimène, c'est que quand tu rentres au pays et que tu n'as rien, et je citais le nombre d'années, hein, j'ai pris le curseur de 2 ans. Une bonne immigration, où que tu ailles, en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis, une intégration et une immigration prend à peu près 24 mois. Donc, on m'a dit, pendant les 2 ans, là, assure-toi au moins que tu as un minimum pour vivre pendant les 2 ans. C'est-à-dire qu'une année de chômage, le temps de, effectivement, étudier le marché, aller mettre tes CV, ça va prendre la poussière pour ceux qui veulent être salariés. Le temps d'étudier le marché pour ceux qui veulent faire des affaires. Le temps que ta tontine donne là sur 12 mois, au moins pendant 12 mois, est quelque chose de quoi survivre en attendant de voir clair. Voilà ce qu'on m'avait dit. Mais je ne peux pas vous donner un montant spécifique. Et de ma propre expérience, effectivement, voyant qu'une année est passée, il ne se passait rien, je ne faisais pas effectivement du chiffre ou des revenus locaux. C'est là que voilà, tu te dis, bon, il faut quand même revenir avec un certain, pas les mains complètement vides, quoi. Mais c'est possible avec quand même un minimum. Avec un minimum. Mais comptez quand même de quoi vivre pendant 1 an ou 2 ans. Si jamais il ne se passe rien, ayez quand même en poche quelque chose comme pour survivre pendant une année. Si jamais, au pire des cas, il n'y a pas une activité qui démarre bien, bien dans les moins de 1 an. C'est ce que moi, je peux conseiller, en tout cas. Si possible, hein, si possible. Il faut être secure pendant 12 mois, le temps de voir venir les choses. Si votre affaire prend dans 6 mois, ah, c'est bon. Si vous trouvez effectivement un job dans les 6 mois, c'est bon pour vous. Ça fait du plus pour le reste. Le plus, justement, pour commencer à aller commencer à acheter un terrain et mettre un parpaing par-ci, par-là. On prenait le cas des retraités tout à l'heure. Un retraité, par exemple, ne va pas avoir un aussi grand plan d'action. Moi, je connais des tatas qui sont rentrées. Ah, elle s'est fait une chambre ou deux. Hein. Elle a construit 1 ou 2 chambres et ça lui va pour finir ses jours. Elle est tranquille, voilà. Elle n'a pas mis des milliards dessus. C'était juste avoir un pied à terre et le reste là, on ne dépense pas autant en Afrique ici. Et elle s'en sortait très bien.
C'est juste un minimum de départ, le temps que ça décolle en fait. Donc selon les situations, est-ce que vous êtes en famille ou seul, ayez au moins de quoi survivre pendant une année, hein, pour être sécure. Et le reste après, vous vous battez sur le terrain. En Europe aussi, c'est comme ça qu'on fait. C'est aussi comme ça qu'on fait parfois. C'est ce qu'on a en train de se dire ici. Je pense que de la thématique de ce live-ci, j'ai l'impression. On est tous d'accord qu'il faut un minimum. Ce qu'on est en train de se dire ici, c'est de savoir combien ce minimum-là. Aujourd'hui, en fait, on est là pour définir, donner des marges en termes de situation. Par exemple, je suis seule, je suis avec des enfants, je suis retraitée, je suis. En fait, l'idée, c'est qu'on peut donner en fait ces minimums-là. C'est OK. C'est, Et tu as cité cinq catégories. Donc, quand on est seul, on fait comme Nathanaël. 300 000, quand on est seul sans enfant, 300 000, ça suffit. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Ce que je suis en train de dire, je vais redistribuer la parole, c'est justement que chacun puisse évaluer, voir un peu ce que lui mettrait dans ces minimums-là afin d'éclairer en fait des personnes qui nous écoutent ou les personnes qui sont en chat et qui demandent justement combien, comment on se positionne, etc. Et puis donner les fourchettes, ce n'est pas forcément donner les montants, mais de se dire par exemple qu'une école publique, pour les personnes qui ont des enfants ou une école privée, on est sur une moyenne par exemple de 100 000 la scolarité, on est sur une moyenne de 150 000. Comme cela, chacun peut sommer et de se dire que si j'ai deux enfants, trois enfants, si je veux l'envoyer au public, il ira, je sais que je dois prévoir ça, ainsi de suite. C'est donner en fait des ordres de fourchette pour chaque domaine afin qu'à la fin, on puisse se dire que ben, au total, ça nous donne tel montant. Tu vois un peu, je pense qu'on passe à côté de la thématique en fait là depuis qu'on échange là. On passe à côté. Liberté, je te laisse la parole. Je vais dire quelque chose. Non, on ne passe pas à côté de la thématique. On ne passe pas à côté de la thématique. La thématique du problème, c'est tu ne peux pas justifier la somme que tu vas rentrer au pays avec. J'ai dit, moi, je crois que la somme qu'il faut rentrer au pays avec, c'est réduire au maximum le candidaton. Et c'est ça qui est le problème. Mais toi, tu viens encore déranger là. Toi, tu déranges le cadre. Laisse-moi finir. Liberté, il fallait tomber ici, là, dans ma forêt. Vas-y. Non, le capital candidaton est très important pour rentrer en Afrique. Le candidaton, c'est quelque chose de je ne sais pas, c'est au sommet. Parce que quand tu vas construire une maison d'aller en Afrique, tu construis la maison où? Tu vas faire le business où? Et c'est ça le problème qui se pose. Tu vas mettre tes enfants dans quelle école? Faut être né avant la honte. Moi, je crois que la meilleure chose, la chose la plus importante, c'est il faut que nous soyons d'abord clairs dans quelque chose. 80% d'Africains vivent dans les banlieues, en Europe et en Occident. Jusqu'à 90%. Pourquoi? Après, on va aller vivre à Bonapiso. Pourquoi doit-on aller vivre à Bonapiso quand on arrive? Je dis toujours ceci aux gens. Nous, en Europe, on vit comme le Tchadien qui vit à Bépanda. C'est normal. Vraiment. On est 20 dans la maison, on ne se plaint pas. Après, on ne veut pas aller serrer la famille. Il faut accepter la réalité comme elle est. Et quand tu acceptes la réalité, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu atterris au Cameroun. Tu oublies d'avoir tes épargnes en Europe. Tu les gardes dans un compte. Tu viens le premier mois, tu regardes la réalité comme elle est. Même si c'est squatter chez un ami pour un mois, comme tu squattes souvent en Europe, tu le fais. Quand un mois est passé, maintenant, quand tu as fini le un mois, tu regardes le service. Le plus important, c'est apporter ce que tu vas fournir. Ce n'est pas ce que tu vas. C'est quel est le service que tu vas donner à la société qui est très important pour rentrer en Afrique avec. Ce n'est pas ce que tu as dans la poche. Parce que après, quel est le service que tu donnes? Tu ne vas pas aller créer un McDonald's. Donc, à ça, tu t'adaptes à ta société. Et quand tu t'es adapté à la société, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, tu t'en sors plus facilement. Parce que si tu vas à Bonapiso, il te faut une voiture. Parce que les voisins m'ont dit que c'est qui de Bonapiso qui n'a pas la voiture comme ça. Alors que si tu as... si tu as Bépanda, c'est normal que tu prennes ta moto, tu vas à Bonapiso pour faire l'étude du marché. Donc après, ce n'est pas combien on ramène, c'est quel est le service qu'on ramène et quel est le degré de candidaton qu'on ramène avec. Donc après, tu peux mettre... Parce que rentrer en Afrique et mettre ton enfant dans une école, vous appelez une école européenne qui n'est ni africaine ni européenne, ça déséquilibre l'enfant déjà.
Merci Liberté. Merci Liberté. Et même si je regarde ce débat n'importe comment, vous réussissez toujours à décadrer le débat. Non, mais c'est, non, pas non, c'est, la, c'est la réalité. Parce que après, si tu es à Douala, à Yaoundé ou à Bafoussam que je connais, tu ne vas pas rentrer avec la même somme d'argent. Après, maintenant, il faut voir exactement combien, ça dépend combien, pour rentrer, c'est combien dois-je rentrer pour mettre dans le business que je pars faire en Afrique. Ce n'est pas combien je veux m'habiller avec ou bien combien je vais mettre mon enfant à l'école. Ça, c'est des secondaires si tu veux rentrer. Donc, pour moi, le primaire, c'est savoir ce que tu vas faire au pays avant que les secondaires n'arrivent. Parce qu'on est en train de discuter sur des faits secondaires au lieu de voir quel est service que... En fait, Liberté, c'est que Chimène veut établir une liste des dépenses, tu vois, qui font quand même partie du quotidien où qu'on soit. Moi, je l'ai compris. En même temps, je te rejoins un peu si je puis me permettre. Je suis d'accord avec toi. Chimène, il n'est pas hors sujet. C'est ce qu'en dira-t-on qui fait justement qu'on vient avec cet état d'esprit-là. Moi, je connais l'une de nos sœurs, hein, célèbre influenceuse, je ne veux pas citer son nom ici. Hein. Après, chacun, en fait, c'est que ça dépend tellement de chacun. Elle s'est dit, elle habite à Santa Barbara parce qu'elle ne voulait pas rechigner sur son confort. Mais par contre, sur le transport, on parlait du transport tout à l'heure, elle disait qu'elle n'a aucun problème à prendre son bensikine. Hein. D'ailleurs, ça l'évitait d'être en retard. Elle habitait là-bas, mais elle se dit, moi, je me déplace en moto. Moi, ça me va. Et puis, il y avait un côté un peu exotique pour elle, que j'en ai marre des taxis, de mes grosses voitures. Quand je suis au pays, le Benham, ça me va. Après, bon, il faut prier Dieu. Mais elle, ça lui allait. Ce n'était pas un pôle de dépense pour elle. Donc, ça dépend vraiment de tout un chacun. Quand dira-t-on des autres faits souvent qu'on ne considère pas, on n'arrive pas à rester dans notre petit budget. Et puis, même les écoles des enfants, qu'est-ce qui prouve que ces écoles-là... En fait, les parents qui le font, c'est peut-être parce que ils ont prévu que les enfants aussi aillent en Europe après. Ces diplômes-là sont reconnus par les pays dont l'école dépend, que ce soit canadien, russe, etc. Oui, pour ceux dont les parents veulent que les enfants retournent là-bas, donc ils sécurisent ça comme ça. Mais qui ont un parent pour qui l'enfant n'a pas forcément intérêt à rentrer dans ce pays-là, il va avoir il y a des écoles qui sont beaucoup plus prestigieuses, avec un niveau académique très élevé, beaucoup plus que cela. Donc, en fait, on ne peut pas citer un montant tant que ça parce que ça dépend de 10 000 situations. Moi, j'ai pris l'exemple là, d'une retraitée que je connaissais. Après, quand tu es effectivement seule et tout ça, il y a tous ces pôles de dépenses là. Mais une fois de plus, il faut vraiment rester logique dans ses budgets et ne pas justement être né avant la honte ou penser qu'on va dire quoi. Liberté le disait très bien. Les Occidentaux, vous vivez dans les banlieues de je ne sais quoi, mais au pays, vous l'allez faire les grands. C'est cette même image-là qui fait que quand on rentre au pays, les gens nous dénigrent. Tu vas travailler pendant un an, même pas te faire plaisir. Mais les 2 semaines que tu vas passer au pays, tu vas éclater ça en 2 semaines pour montrer aux gens que tu es grand. Soyons logiques. En fait, c'est un état d'esprit qu'il faut lever, démystifier, beaucoup plus que la réalité budgétaire. Il y a toujours de quoi se faire l'argent au pays. Il y a toujours de quoi, même si ce n'est pas beaucoup au départ, les 2 premières années sont difficiles, qu'on se dise la vérité. C'est très difficile. Tout comme quand on va en Europe, les 2 premières années sont difficiles. On s'adapte au climat, on s'adapte à la mentalité des gens. Oui, on échoue même, on perd l'argent. C'est comme ça, ça fait partie du game. Mais après, on se remet. Au bout de 24 mois, vous trouverez forcément un peu, ne serait-ce qu'un peu. C'est le curseur, c'est l'équilibre qu'on veut jouer, en fait. Merci, Ariane. Merci, Liberté. Il y a Alexis qui nous retrouve. Je vois qu'il est au téléphone. Bon, en attendant qu'il ne finisse. Les amis, pensez à mettre des likes, à mettre des cœurs. Nous sommes assez nombreux et pourtant, il n'y a pas suffisamment de likes et des cœurs. Donc, pensez à mettre un pouce quand vous arrivez, partager autour de vous dans vos différents groupes. C'est important. Ça permet justement de mettre en avant ce que nous faisons ici, ce temps que nous passons. Donc, c'est la moindre des choses, surtout qu'on s'enrichit mutuellement. Les gars ont beau être hors thème aujourd'hui, mais c'est riche ce qu'ils disent, donc on va quand même mettre les choses. On est dans le sujet. On est dans le sujet. Non, c'est que Chimène veut dresser la liste. Bon, dressons la liste avec elle alors. Elle liste. Attends un peu. Il faut quand même une checklist de là où vous allez. Oui. De là, par exemple, dans une page fixe. Vous devez mettre un certain nombre de choses dedans afin de vous donner un ordre d'idée. Ceux qui disent, par exemple, il faut manger là. Il faut qu'il y ait quand même une ligne à côté. Le logement là que vous allez louer, même si Nathaniel disait qu'il va louer quelque chose à 10 000. Mais il faut quand même mettre 10 000. Je vais jamais donner le montant, Chimène. Je vais jamais donner le montant, Chimène. Mais je dis qu'il faut quand même mettre le montant quelque part, ainsi de suite. Si on parle Chimène,
il faut quand même mettre le montant de l'investissement. Alexis, je vais te laisser la parole. C'est toi qui dois parler là. Il faut nous dire ce que tu penses. Qui sont trop enflammés. Ariane, laisse Alexis prendre la parole, s'il te plaît. Je voulais juste faire la petite remarque. Bonjour, vous m'entendez? Oui, dans ton sens. Oui, on t'entend, Alexis. Pardon, permettez-moi. Fini, dis. Oui, merci. Après, je te laisse la parole. Je voulais juste dire que dans la checklist de Chimène, il y a un point important qu'on n'a pas dit. C'est qu'en Afrique, on ne dépense pas mensuellement. Grosse nuance. C'est-à-dire que ce n'est pas étalé dans le mois. Tu es locataire, tu vas payer 6 mois, 12 mois. Voilà. Tu veux même. Moi, j'ai pris l'assurance de mes enfants, j'ai payé à l'année. L'école se paie à l'année, ce n'est pas tous les mois. Si oui, les 3 premiers mois. Donc, même les dépenses ne vont pas être mensuelles. Petit bémol dans notre checklist, c'est comment dépenser. Tout est payé, comptant au départ. Tu as l'année, tu peux mensualiser aussi et verser d'un coup. Donc, il y a aussi des choses que tu peux payer annuellement en Occident que tu choisis de mensualiser si tu souhaites. Tout comme moi, je payais certaines choses à l'année aussi en Occident. Pourtant, j'avais la possibilité de mensualiser. Donc, après, ça... Oui, en Occident. Oui, mais au ça pays, ne... tu payes ton loyer par mois. Avant d'entrer, tu as d'abord payé l'année ou 6 mois. Oui, mais ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que même si tu payes sur 6 mois, ça n'implique pas que tu ne puisses pas mettre... mensualiser ce que tu as payé en 6 mois et dire que le coût de vie mensuel me revient à tel montant. Par exemple, si en 6 mois, tu as payé 600 000 à raison de 100 000, c'est de te dire que le loyer me coûte 100 000 francs CFA par mois. Donc, si tu veux savoir... Soeur, tu nous amènes les équations alors. Tu nous amènes les équations. Qui t'a fait les montants? Tu vois, parce que ce n'est pas mensuel. Il faut avoir le montant rond. Tu sais qu'à l'année, ça me coûte ça à l'année. L'assurance me coûte ça à l'année. L'assurance de la voiture, on paye tout à l'année, en fait. Donc, maintenant, oui, si tu veux ramener ça juste pour savoir, moi, regarde. Moi, on dit la même chose, Ariane. Ce que je t'explique, c'est que ce que tu payes sur 6 mois ou sur 1 an, tu peux mensualiser ça pour savoir ce que ça te revient au mois, afin que lorsque tu dresses ton budget, tu sais, par exemple, que si l'école, c'est 1,2 million sur l'année pour un enfant, ça veut dire que cet enfant, pour l'école, au moins, il me revient à 100 000 francs. Et comme ça, ça te permet de dire, si j'ai 3 enfants, c'est 300 000. Si j'ai un loyer que j'ai même déjà payé sur 6 mois, mais au moins, ça me revient à ça. Et à la fin, ça te permet de sortir ta ligne budgétaire mensuelle et annuelle. En soi, toi et moi, on dit la même chose, en fait, tu vois. Liberté, Alexis. Ton micro est fermé. Oui, bonjour à tous, bonjour. Ben, Liberté, pourquoi tu nous filmes tes pieds? Il déménage. Il est dans sa liberté. Non, je pense que Liberté ne sait pas que sa caméra est inversée. Non, je ne suis pas à la maison. Moi non plus, je ne suis pas à la maison. Mais tu fais le portrait. Je ne sais pas pourquoi. Il cache là où il est. Oui, mais ta caméra est inversée en fait. On voit du coup les meubles. C'est pas que je suis pas à la maison et la caméra n'est pas bonne. Bonjour, salut à tous. Salut à tous. Le thème est assez intéressant. Mais moi, je venais avec une question déjà. C'était de savoir, comme d'habitude, Liberté pose la question, pourquoi rentrer? Pourquoi on doit déjà... Pourquoi on rentre? Pourquoi... Ouais, les gens qui viennent d'accord, il y a des... pas moi, pourquoi rentrer d'abord? Pourquoi? Tu as vu la thématique, Alexis, c'est combien faut-il pour retourner en Afrique? Ce n'est pas pourquoi faut-il retourner en Afrique. Mais quand on se demande combien faut-il pour rentrer, qui rentre même d'abord? Qui rentre? Voici une main, Alexis, qui rentre? Chimène est rentrée. Mais si Chimène est rentrée, ma question c'est de savoir est-ce que les gens veulent vraiment savoir combien il faut pour rentrer? Parce que oui, on veut savoir. Si quelqu'un veut même déjà rentrer, il peut s'intéresser au montant qu'il faut pour rentrer. Tu vois? Et moi, personnellement, je vois que beaucoup de personnes ne veulent même pas rentrer. Donc, c'est. Est-ce que ça va vraiment donner, est-ce que ça va vraiment servir? Parce que c'est ça la question que je me pose en fait, Tata Chimène. Je mets au défi ceux qui nous écoutent, on est plus de 40 là.
Mettez-nous que oui, je suis intéressé, je veux savoir le montant parce que je vais rentrer. Tu veux rentrer, les gens ne vont pas mettre. Les gens ne veulent pas rentrer, Chimène. Alexis, excuse-moi. Beaucoup veulent rentrer, mais vraiment, c'est bien ce que je dis. Hein. Il faut arrêter de se mentir. Beaucoup, mon frère, demande à un Africain en Europe, tu veux rentrer, il va dire qu'il veut rentrer. Mais c'est parce que justement, c'est cette vision-là qu'on est en train de développer, là, qui fait que les gens ne rentrent pas, ils procrastinent. Beaucoup, tu demandes à un Africain qui ne se ment pas lui-même, il va te dire, oui, je veux rentrer. Mais le problème, c'est il va dans l'idée, tout ça. C'est à combien je rentre? Est-ce que j'ai la maison? Comment est-ce qu'on va me regarder? Le candidat-on? Est-ce que j'amène la famille? Est-ce que c'est tous ces points-là qu'on a cités dimanche dernier? Mais tu demandes à un Africain s'il veut rentrer. Je suis désolée, 99% veulent rentrer. Sauf qu'on avait émis le couple mixte. Les couples mixtes, il sait que Lala, Sanga, son mari, tel que le retour en Afrique est impossible. C'était seul ce cas-là où les personnes qui sont malades, qui savent qu'elles peuvent pas rentrer en Afrique parce que pas de prise en charge de santé. On avait bien cité les deux cas où les gens ne s'imaginent même pas. Ça leur traverse même pas l'esprit de rentrer. Mais tout le reste là, arrêtez de vous mentir. Vous voulez rentrer. Attends, Ariane. Alexis, voilà tes réponses dans le chat. Les gens disent qu'ils veulent rentrer. Bien sûr. Il y a Estelle Diane qui dit que moi je veux rentrer. Il y a Carlos, moi je veux rentrer. C'est pour ça que le thème nous intéresse. Dans le montant. Dans le montant, dis donc, combien? Alania dit quoi? On en a marre de rester en Europe. Voilà, Alania dit on en a marre de rester en Europe. Il y a qui d'autre? Tout le monde dit ça. Réponds. Les gens veulent rentrer, en fait. Les gens veulent rentrer. Moi, j'ai une réponse très simple. Il n'y a pas de montant, en fait. Tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que si tu veux, comment dire, monter un projet. Tata Chimène a déjà fait maintes vidéos, Nathanaël, tous les YouTube, tout le monde dit tout que pour faire un projet, on n'a pas besoin d'argent. Il peut dire le contraire ici. C'est ce que vous dites tout le temps, non? On n'a pas besoin d'argent. Il y a même monté un projet à 50 000. Comment monter un projet à 50 000? Et vous venez parler. Allez, après, tu vas réagir. Ariane, tu te laisses qu'il aille jusqu'au bout avant de réagir. Voilà, c'est après, tu pourras réagir. Parce que si vous voulez rentrer, vous pliez vos bagages, vous allez à l'aéroport, et des fois, le retour est gratuit. Vous allez passer. Arrêtez de. Nathanaël, je vais me défendre d'exposer mon point. Non, je te laisse, allez-y, désolé. Mais c'est tellement vrai que j'en rigole. Vous arrivez au pays. Laissez qu'il s'il vous plaît. Vous dites que me voici qui suis arrivé. Je suis un bosseur. Parce que généralement, ici, on a la gnaque, hein, il y a des bosseurs. Tu dis que je suis un bosseur. Donc, je vais commencer où on commence et je vais réussir. Parce que les projets, c'est quoi? Tout est à faire au pays. Il y a tout. Si on veut commencer à lister que oui, tu peux rentrer, tu fais l'agriculture, tu peux rentrer, tu fais la maçonnerie, tu peux rentrer, tu fais les mises en relation, tu peux rentrer, tu mets les projets immobiliers, tu peux rentrer. Donc, tout est à faire. Je ne pense pas que le sujet dans la question du montant, parce que des exemples des personnes qui sont arrivées et qui ont commencé à zéro, ont réussi, il y en a. Des personnes qui sont arrivées avec 1 million de francs CFA, il y en a. Des personnes qui sont arrivées avec 10 000, il y en a. Donc, tout dépend en fait de ce que tu veux faire. Si tu te dis, je vais prendre un cas précis, qui est-ce qui a dit qu'elle avait marre de rester en Europe? Attends, plein de budget pour donner, nanana, Bac plus 5, je veux rentrer. Mais Bac plus 5, tu rentres, est-ce que c'est le diplôme qu'on mange? Mets ton diplôme en pratique, ton Bac plus 5 là, et tu cartonnes avec. Le retour est gratuit. Ceci dit, je pense que c'est Estelle qui avait dit oui, on en a marre de rester en Europe. Mais vas-y, lance-toi. Il y a les poulaillers, il y a l'agriculture, il y a les œufs, il y a les... Ça ne manque pas. Maintenant, quand on se parle de combien est-ce qu'il faut pour entrer en Afrique, j'ai envie de dire que ça dépend du projet en fait que toi tu veux faire.
Si toi, le projet que tu veux faire, c'est dire, voilà, je vais aller construire 10 immeubles et mettre en location les trucs, il te faut l'argent pour 10 immeubles. Et combien de temps il va te falloir pour économiser cet argent? C'est comme ça que tu vas passer tout ton temps en Europe. Pourquoi? Parce que tu dis que non, il me faut d'abord l'argent de 10 immeubles. Tous les mois, tu as un nouveau problème. Donc, tu n'auras jamais l'argent pour 10 immeubles. Or, si tu as la vision d'avoir 10 immeubles, tu dis que bon, moi, je retourne d'abord au pays, je vais d'abord acheter une chambre. Avec l'argent de la chambre, là, je vais faire après cette étape. Après cette étape, je vais faire encore cette étape. Après cette étape, je vais encore faire cette étape. Là, tu peux oser aller faire. Tu vois? Donc, à ce moment-là, tu peux commencer avec toute somme. Tu peux commencer à tout moment, à tout niveau. Mais maintenant, le gros défi et le gros challenge, disons-nous les vérités, c'est qu'un beignet sucré. Quand tu es déjà dans le confort que tu vis ici, et qu'on te dit que non, va commencer, va encore transpirer au pays, va encore te lancer, va encore... Tu dis que non, des fois, le froid est mieux que la chaleur. Hein? Non? Alexis, tu étais là dimanche dernier. Il est arrivé à la fin, c'est pour cela qu'il dit ça. J'étais là quelques minutes. Je vois ce que tu veux dire, Ariane. Mais avoir le montant, pour savoir le montant pour rentrer en Afrique, pour moi, c'est pas un facteur. C'est pas un élément, comment dire, ça va pas être ça le pourquoi. Ça va pas être ça la clé de la réalisation. Moi, je pense que la clé de la réalisation se trouve dans le projet en lui-même. Une fois que tu définis ton projet et que tu définis ta faisabilité aussi, parce que tu peux définir un projet, mais après, tu n'arrives pas à mettre en place la faisabilité. Et dans la faisabilité, là, il y a toutes les contraintes, effectivement, qu'on a parlé la semaine dernière. Et pour moi, une des grosses, grosses contraintes, c'est le challenge de soi. C'est le challenge de soi. Et c'est quelque chose qui m'a freiné moi-même. J'ose le dire. Avant, je faisais... C'est parce que tu fais partie des gens qui ont... Liberté a dit. Ce n'est pas possible. Si c'est ça, Alexis. Non, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais je dis que c'est trop dur. Il y a trop d'obstacles. Et je le dis après avoir enclenché le processus, après avoir démarré. Ce n'est pas comme si je me suis assis chez moi, j'ai dit que, ah non, c'est trop dur. Non, je suis descendu sur le terrain. Moi-même, j'ai bougé tout ça. Mais quand tu mesures le nombre d'obstacles, tu te dis non, ça c'est trop. Alexis, c'est plus d'obstacles que quoi? C'est plus d'obstacles que la discrimination. C'est plus d'obstacles qu'on ne connaît pas de noirs qui sont à des hauts postes. Tu vas dans des grandes sociétés, tu as même bac plus 52. On te dit tu ne peux pas accéder. Tu as toutes les compétences, mais tu ne peux pas accéder. Ces profils-là, c'est ceux qui rentrent au pays. C'est les surdiplômés qui n'arrivent pas à évoluer en Europe. Il y a plus d'obstacles que quoi, papa? Hein? Okay. Là, on est d'accord sur ton quoi? En fait, on est d'accord sur ton quoi? Ton quoi, c'était ton projet. On t'a entendu, en fait. Pour résumer ce que tu as dit, ton quoi était très important. Pourquoi on rentre en Afrique? On a compris. Et là, tu as une l'une des réponses dans le chat. On n'a même pas de projet. C'est juste qu'on en a marre. Celui qui n'est pas en Occident, il a un projet. C'est juste qu'il va se dire que, gars, je quitte d'abord ici, d'abord. Le reste, là, je vais aller me battre. Ce n'est pas les phrases là qu'on a souvent. Je vais d'abord me battre, Chambé. Je vais me battre. Voilà le quoi de quelqu'un. Hein. Je vais me battre. Pourquoi ce n'est pas le quoi de quelqu'un qui rentre en Afrique, gars, je vais me battre, mais je ne suis pas en terrain inconnu. Il n'y a pas forcément de projet. Il y a que j'en ai marre. La tête des gens, je suis fatiguée de voir la tête. J'en ai marre d'avoir froid. J'en ai marre de... Gars, sur le quoi d'en avoir marre, on bac. Oui, mais combien de personnes rentrent comme ça? À cause des plans d'action qu'il faut d'abord faire préalablement. Les personnes rentrent comme ça. C'est ça que je dis. Le fait de. Tu peux rester ici tout le temps que j'en ai marre, tu ne bouges jamais. Pourquoi? Parce qu'au final, tu as quand même un confort. C'est beaucoup de personnes. Et même parlant même de confort. Attends un peu, Ariane, je finis. Alexis, Ariane, s'il vous plaît, ce serait bien qu'une personne finisse jusqu'au bout. Oui, voilà, mais je finis après. On puisse passer la parole. Une personne, s'il vous plaît, Emmanuel Akatan, peut parler du racisme ou tout ça, mais au final, ils se sentent quand même mieux ici. Et ça, c'est une vérité. Et quand on parle, par exemple, des personnes qui ont Bac plus 32 et qui n'ont pas accédé au dernier poste qu'ils voulaient, et ils disent que moi, je rentre au pays, moi, je dis que mon ami, tu as quand même, tu es monté jusqu'à ça t'a dépassé, après tu rentres.
La plupart des personnes dans la diaspora, c'est quand même des personnes d'un certain niveau scolaire qui ont une vie, je voudrais dire, pas royale. Les gens se débrouillent ici. Il ne faut pas penser comme si peut-être on vivait sur la Lune. Non, les gens se débrouillent. Donc, quand on parle de retourner, ça veut dire que quelqu'un a les moyens de pouvoir le faire. Et ce n'est pas le cas de la plupart des personnes dans la diaspora, dans le sens où on se bat seulement. Ouais. On se bat seulement. Dans le cas du surdiplômé qui n'a pas eu le poste de directeur général qu'il voulait, on l'a discriminé, tout ça. Je dis oui, tant mieux, retourne au pays. Mais nous qui nous battons en bas là, déjà quand on accepte même pas n'importe où, on va seulement chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est toujours quand même mieux. Donc c'est ça en fait. Merci Alexis. On va laisser la parole quand même à Emmanuela pour qu'elle puisse placer un mot. Je vois vous deux. Vous allez finir par vous battre ici. On ne sait pas, c'est un échange. On ne se bat pas, c'est qu'on soulève tous les points. On soulève tous les points. C'est ça. Et le confort même dont tu parlais, tu vas dire à quelqu'un, moi pour rien en Europe, regarde la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Une famille qui va en Afrique, c'est aussi pour la main-d'œuvre. Tu sais que tu pars voir une ménagère. Tu as ça en Europe. Fini de rentrer à 20h. C'est toi qui fais le repassage, le ménage, mon frère. Le confort. Qu'est-ce que tu appelles confort? Laissons la parole aux autres. Merci Ariane. Emmanuela, bonsoir. Tu nous entends? C'est bien quand même, c'est bien. C'est aussi quelqu'un vient avec l'intention de... Emmanuela? Ça, sinon, ça ne va pas tomber. Je m'ennuie sans problème. Allô? Sans problème. Oui, Emmanuela, tu nous entends bien? On doit être en Afrique. Hein, c'est... Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Excusez-moi. Il y a Yvette qui dit que tu es en Afrique. Emmanuela, s'il te plaît, clarifie-nous cette affaire. Ariane aussi, on t'a demandé où tu es parce que tu as l'air d'être enflammée dans le live là. Il faut nous dire maintenant que tu es en France. Tu parles de la France. Mais bien sûr, vous voyez le manteau. C'est que c'est forcément là-bas. Quelqu'un a envie d'être en chaud. On est obligé de porter les trucs. Ça confirme les gars qui disent que toi-même tu es confortable et puis tu parles de ton confort. Non. C'est pas pareil, pardon. D'abord, Emmanuela, vas-y, exprime-toi. Emmanuela? On a coupé la lumière. Laissez, ça va revenir, elle va parler. C'est Eneo. Voilà, c'est le réseau. Voilà, elle est en France, Liberté. Emmanuela en France. Ah bon? Oui. Non. Ah ah. Pourquoi t'as fait ça? Bon, c'est Emmanuel, on ne peut pas parler. Emmanuel, c'est notre première classe. Vous voyez? Non, même en Europe, il y a des problèmes de réseau. Restez là-bas. Vas-y. Je peux réagir, je veux qu'Emmanuel prenne la parole. Oui, vas-y. Non, je vais dire quelque chose. Si quelqu'un veut rentrer au pays, tu prends tes affaires, vraiment, tu te décides que tu vas rentrer, tu rentres. Parce que moi, je connais des gens qui ont fini, ils ont porté leurs affaires, ils sont allés au pays et ils sont à l'aise. Non, ils sont à l'aise. Le seul problème, c'est quel est le projet que tu ramènes au pays. Tu vois? Quel est le projet que tu ramènes au pays? Ce n'est pas combien tu touches. Et le malheur, c'est que quand nous allons au pays, on va encore vivre comme en Occident. Il y a un comédien camerounais qui a dit, il ne faut pas confondre le tourisme et l'immigration. Si tu vas au pays pour t'installer, oublie que tu viens en touriste. C'est-à-dire, quand tu es touriste, tu parles dormir à l'hôtel. Mais quand tu vas pour l'immigration, oublie que ton enfant va aller fréquenter à Fustel. Parce que lui-même, il ne sait plus où il est. Parce que pour plein de luxe. Par contre, pour l'enfant qui va arriver à Fustel, il va voir que c'est un peu de n'importe quoi. Parce qu'à la fin des diplômes, c'est les diplômes de l'État qui sont reconnus à l'extérieur. Fustel ne fait pas son bac. Si Fustel fait son bac à lui, il ne sait pas. Le bac camerounais est reconnu aussi ailleurs. Donc, il faut que ton enfant s'adapte à l'Afrique parce que le jour qu'il va revenir en Europe, il pourra comparer sa misère avec celui qui va le faire maintenant. Donc, moi, je trouve qu'on a beaucoup de complexes à rentrer. Et c'est ça le problème qui se pose avec les Africains. On ne rentre pas pour avec des projets, mais on rentre pour montrer aux gens que nous sommes rentrés.
Et je crois que notre vision de vivre pour les autres, c'est un peu au-dessus de tout. Et il faut qu'on se batte pour vraiment éliminer ce phénomène-là, si on veut vraiment qu'on avance, que beaucoup de choses avancent. Donc, si tu veux rentrer, si tu as ta petite chambre, va dormir dans ta petite chambre, et tu mets le projet tu mets ton place et tu continues. Voilà. Il faut vraiment pas, je ne crois pas qu'il y a une somme exacte, parce que comme je dis, ça dépend de chacun, ça dépend du projet que tu as. Donc, il ne faut pas attendre à accumuler de l'argent pour rentrer en Afrique. Donc, ça, c'est mon point de vue, quoi. OK, merci papa. Chimène, termine alors ta liste. Tu avais fait loyer, transport, tu as oublié le deuil. Tu mets la liste deuil pour les week-ends. Tu mets la liste... Vous êtes trop indisciplinés dans ce live aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi. On finit ta liste. On finit ta liste. Je rajoute juste la liste deuil. Enfin, ça, à partir de jeudi, ça commence. Les 5 postes que j'avais prévus, le premier, c'était les charges fixes. On avait maison, eau, électricité, loisirs, scolarité, ménage, voilà. Près de scolarité, c'est pour les personnes qui rentrent avec des enfants, comme nous, par exemple. Mm-hmm. Ensuite, le second poste, c'était voilà, les charges professionnelles. Ça veut dire que lorsque vous rentrez pour un projet, que vous n'êtes pas, par exemple, dans la catégorie des retraités, il faut penser, en fait, à ce projet-là. Il faut mettre déjà une ligne qui permettra justement de rendre votre projet réalité. Donc, pourquoi vous rentrez? Peut-être pour vous installer pour un ras-le-bol ou je ne sais pas trop. Mais lorsque vous êtes jeune, vous avez besoin d'avoir une activité parce que l'épargne seule, ça ne doit pas vous permettre en fait de faire long feu. Donc, il faut mettre une ligne sur ce que vous allez faire là-bas et donc renseigner cette ligne activité. Il y a aussi la ligne famille. Donc, c'est très important. C'est là-bas où je mets justement les aides, les deuils, tout ce social-là qu'on peut avoir en Afrique qui peut être écrasant souvent. Et ici, il faut se dire que c'est un peu ce qu'on dit souvent dans aide lorsqu'on établit son budget. Mais moi, j'ai mis ça dans un pôle famille. Et le dernier, en fait, c'est de se dire également qu'il y a l'administration et les plaisirs. L'administration ici, c'est de penser à tout ce qui... se conformer. Par exemple, lorsque vous arrivez dans un environnement peut-être comme le Cameroun et que vous n'avez plus la nationalité, il faut dire que vous devez, par exemple, demander un titre de séjour parce que vous n'êtes plus, en fait, Camerounais, vu qu'il n'y a pas cette double nationalité, sauf... 120 000. Sauf 120 000. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, vous devez prévoir la ligne administration, par exemple, pour faire vos titres de séjour si vous arrivez dans un autre pays africain, parce que tout le monde ne rentre pas forcément dans son pays d'origine. Il faut également penser à tout ce qui est, si vous devez faire des permis de conduire, des choses comme ça, en fait, tout ce qui est administratif, il faut penser également à ça et se dire que certaines choses, vous avez une ligne qui est affichée officielle, mais savoir qu'en dessous, il y a une sous-ligne qu'on ne voit pas, à laquelle il faut penser quand même. Donc, pour moi, c'est d'avoir une certaine checklist comme ça. Et puis, chacun met un peu les montants en fonction du pays. Par exemple, si vous rentrez à Abidjan, ce ne sera pas les mêmes montants que vous aurez pour quelqu'un qui rentre peut-être à Libreville ou alors à Douala. Parce que, voilà, le coût de la vie dans ces pays-là, ce n'est pas les mêmes choses, en fait. Donc, ici, c'est maintenant de se dire que chacun met un peu dedans. Internet, par exemple, en Afrique du Sud, Internet qu'au Cameroun. Et les prix ne sont pas pareils. Donc, je pense que toute cette checklist, ça permet au moins de se préparer et de ne pas rentrer les bras ballants et avoir un petit minimum en termes de montant, comme on se disait. Parce que l'objectif, c'est pour ceux qui veulent d'avoir un certain montant. Et maintenant, quand vous mettez tout ça en fonction de votre situation, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Donc, je ne sais pas si... Voilà, c'est... Nathanaël. Oui, le point administratif, moi, je trouve ça très important parce que personnellement, j'ai été choquée. En bas d'administratif, tu mets la ligne Choco. Hein, parce que c'est aussi non, j'ai dit qu'il y a souvent les choses qui ne sont pas visibles. Je n'ai pas dit que ça s'appelle le Choco. J'ai dit que tu peux avoir sur le... Mais c'est écrit que c'est 10 000, mais arrivé, il faut peut-être... voilà. Mais il faut prévoir. Voilà, je n'avais pas... Je suis rentrée le jour, là. Parce que j'avais pas mis dans mes dépenses la case, là. Nathalie, le titre de séjour coûte combien dans ton pays? J'ai cité le prix, hein. En tout cas au Cameroun, hein, ce que ça coûte. Sans justement des annexes. Moi, je n'ai jamais changé de nationalité, donc je rentre avec mon passeport vert. Donc, je ne sais pas. Je n'ai jamais demandé à savoir combien ça coûte, le titre de séjour. Je n'en ai jamais eu besoin.
Et si tu as la guerre civile, tu vas. Mais normalement, c'est quelque chose. Ton pays le protège, gratuit. Son pays d'adoption le protège. S'il a une guerre civile, il rentre une guerre civile, il fait comment? Il reste là-bas dans la guerre. Dans quelle guerre? Non, son pays d'adoption le protège. Justement, dans l'administratif, ça par contre, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, il y a un site pour tout ressortissant ou résident de tel pays. Quand tu vas dans ton pays natal, on te demande de t'inscrire, de sorte que justement, s'il y a une guerre civile, j'ai plein d'amis justement à Abidjan, à l'époque il y avait la guerre, où on vous envoyait des messages pour vous protéger, pour machin. Et s'il y a un souci, on vous embarque dans votre pays d'adoption. Oui, mais c'est vrai, il n'a pas une seconde nationalité. C'est pour ça que c'est trop dangereux pour lui. Parce que s'il y a une guerre là-bas, on va pas lui dire qu'on va l'aider. Ah, ne parlons pas pour lui, Nathalie. Toi-même, défends-toi. S'il y a une guerre dans ton pays, tu fais comment? Toi-même, parle. T'inquiète pas, il n'y aura pas de guerre. Voilà, amen, ne souhaitons pas non plus. Est-ce que Liberté, est-ce qu'on change la nationalité seulement parce qu'il va avoir une guerre dans le pays? Et toi aussi, c'est quoi ces arguments? C'est arrivé, je vous dis, en Côte d'Ivoire, je connais plein de couples qui ont vécu cette affaire-là lors de la guerre en Côte d'Ivoire. Ça a changé les vies des gens, ça peut arriver. C'est à prendre en compte, quand même. Mais bon, revenons à notre liste. Revenons à la liste, les montants de la liste de Chimène. On fait comment? Vous êtes dissipés, vous tous, aujourd'hui, je ne comprends pas. Vous êtes non, moi, je recentre tout le débat. J'ai juste ajouté la ligne invisible, comme tu as dit là. Mais tu as quasiment tout cité, quand même. Je ne sais pas s'il y a un point qui manque. On a oublié quoi? Non, je pense que... Parce que la dernière ligne, c'est divers et plaisir. Donc, ça permet justement, s'il y a des petites choses, des imprévus, ben, ça rentre dans ce divers et imprévus-là. Et souvent, c'est une ligne en Afrique qui a tendance à vite monter, hein, sincèrement. Parce que vous pouvez trouver la voiture, le pneu crève, des choses comme ça, ben, ça peut vite monter. Il faut faire saison de pluie. Les loisirs, il n'y en a pas. Mais dans loisir, là, la jungle de tous les soirs, il faut prévoir ça. C'est du lundi au vendredi. Dès qu'on sort du bureau, il faut prévoir ça. Je ne l'avais pas prévu. Hein. Il faut prévoir. C'est la vérité. Hein. Et pour les hommes, le deuxième bureau, parce qu'en Europe, on n'a pas. Donc. Voilà. Ouais, papa, les mèches, ça coûte entre 100 000 et 200 000 pour la petite. Tu mets 200 000 pour sa perruque. Tu vois, non? Voilà. Allô? 200 000. Oui, Emmanuela, enfin. Tu te connectes et le son est bon. Vas-y, Emmanuela. Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Génial. Toutes mes excuses, je suis en même temps en train de m'occuper un peu des enfants et tout ça, donc je bouge et je pense que je n'avais pas le réseau, je n'ai pas vérifié avant de me connecter. Tu peux nous dire depuis quel pays tu te connectes? Je me connecte depuis la France, je suis à Nice. Précisément. Ah, c'est bien de rappeler que la France aussi a les problèmes de réseau pour ceux qui doutaient encore. Alors, les problèmes de réseau, c'est partout, hein, non? N'allez pas insulter, Néo. les problèmes de réseau, c'est partout. Alors, bonsoir à tous. Vraiment, je suis ravie de pouvoir... écouter, participer à ce débat que je trouve très, très, très intéressant. Je me permets de prendre la parole parce que j'ai fait deux expériences de retour et comme disait souvent ma mère, quand tu veux aller quelque part, la personne qui va mieux t'indiquer le chemin, c'est la personne qui s'est déjà perdue. Voilà, je dis ça, je le rappelle parce que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit, il y en a qui sont partis, qui sont revenus la queue entre les jambes et tout ça. Et je pense que les personnes qui sont revenues la queue entre les jambes, il faut les écouter parce que ces personnes-là ont fait la véritable expérience. Et ce qu'elles vont vous dire, justement... Et Alexis, les deux, la liberté et Alexis. Et Ariane. Ok. Bah oui. Ce sont les blessés de guerre. Eh bien, moi aussi. Je viens compléter la liste des personnes qui ont pris leur courage à deux mains. Et pourquoi j'ai écrit dans les commentaires que Liberté a tout à fait raison quand il dit le premier coup qu'il faut prévoir, c'est le coup du quand dira-t-on. Parce que quand je partais la première fois, je pense que j'étais dans cet état d'esprit de beaucoup d'Africains qui vivent dans la diaspora.
de regarder mon pays en disant que j'allais pouvoir sauver mon pays, alors que personne ne m'attendait en fait, et personne ne m'attend au fond. Je pense que c'est ça que chacun doit se mettre dans la tête en premier. Quand on s'en va là-bas, ne vous dites pas que c'est vous que les gens attendent pour vivre. Ne vous dites pas que c'est parce que vous allez venir avec la meilleure des connaissances que vous allez sauver votre pays, parce que les gens ne vous attendent pas en fait. Il y a des gens qui imaginent qu'en arrivant, ils vont pouvoir déposer le CV dans la plus grosse boîte parce qu'ils ont un bac plus 5 ou, comme disait si bien Ariane tout à l'heure, bac plus 52 ou quoi. Mais en fait, personne ne vous attend. Il y a des gens qui sont là-bas, qui n'ont peut-être pas bac plus 52, mais qui sont sur le terrain depuis longtemps, qui le connaissent mieux que vous et qui auront la place que vous imaginez qu'on va vous donner. Et c'est tout à fait justifié qu'on leur donne la place. Maintenant, là où je dis, Chimène a raison de dire qu'il faut, il faut se préparer. C'est comme pour tout, en fait. Et j'entends des gens qui disent, oui, on en a marre d'être ici, etc., parce que discrimination, parce que ci, parce que ça. Si on parle là-dessus, eh bien, on est sur les mêmes raisons que certains créateurs d'entreprises ou certains entrepreneurs qui disent, moi, j'en ai marre du salariat, je vais créer ma boîte. Ce sont les mauvaises raisons. Et il faut faire attention à ce type de raisons-là. Maintenant, où je voulais revenir, quand je disais que je suis d'accord avec Chimène, il faut se préparer. Il faut prévoir les coûts. Il faut prévoir les coûts. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. À chaque fois que je suis partie, je n'ai pas fait cette checklist dont elle parle. Elle a vraiment raison là-dessus. Et je n'ai pas prévu les coûts. Est-ce que parmi vous ici, il y en a qui ont parlé déjà des impôts locaux? Vous savez ce qu'on appelle les impôts locaux à Abidjan? Dis-nous. Non, les impôts locaux, c'est le voisin le matin qui va venir te voir pour dire pardon, donne-moi 5 000 francs, sinon ma famille ne mange pas aujourd'hui. On appelait ça invisible, mais oui. Ça commence le matin, tu enlèves, tu donnes, parce que tu viens du bain, que tu as encore les euros, que les sous sont frais. Dès l'aéroport même parfois, Dès l'aéroport parfois. Quand tu travailles, à l'époque, moi, j'étais, je vous parle de l'époque parce que je suis rentrée la première fois, c'était en 2010. Donc, en 2010, quand je repars, j'ai cherché le boulot et tout, donc je suis chargée de recrutement. J'ai mon poste déjà, donc j'ai ma petite situation. Comme on disait à l'époque, jeune cadre dynamique, quoi. Donc, quand tu montes dans ta voiture, le petit josseur de Nama, il va te dire, ah, la vieille mère, donne-moi un peu. Donc, tu enlèves un petit billet aussi, 500 CFA ou 1000 francs CFA. Tu arrives au bureau, ton collègue même de bureau a des problèmes chez lui à la maison. Il va te taxer un petit 3000. À la fin de la journée, tu as sorti 25 000 CFA sans te rendre compte, si ce n'est plus. Et si tu fais ça pendant une semaine, la somme que tu as sortie n'a rien à voir avec ce que tu aurais dû prévoir pour toi, pour tes déplacements, pour ta famille, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à se dire, OK, les conditions dans lesquelles je m'en vais, c'est pour aller faire telle chose. Donc, j'accepte de me déplacer. Il y a quelqu'un qui a parlé de se déplacer à moto, taxi, par exemple. Moi, à chaque fois que je vais à Abidjan, je n'ai aucun scrupule à me déplacer en Woro ou en Gbaka. Je l'ai déjà dit ici. Le Gbaka, c'est le taxi Bruce. Le Woro, ce sont les petits taxis, pas le compteur et tout ça. Oui, l'OPEP. Parce que quand je calcule que je sais que dans la journée, je dois me rendre à ma plantation qui est à 50 km et que je vais payer 500 CFA dans le Gbaka pour y aller, je préfère ça que d'aller payer le compteur qui va me coûter 3000, 4000, 5000 CFA. Et donc, je budgétise ça. Si je sais qu'en allant là-bas, je vais devoir aller à la plantation deux fois dans la semaine et que je vais payer 1000 francs CFA aller-retour, je me fais 1000 francs CFA aller-retour deux fois par semaine, ça me fait 8000 francs, c'est ça, hein, 8 allers-retours dans le mois. Ça, c'est mon déplacement pour aller travailler. Pour aller travailler, pourquoi? Parce que Nathanaël l'a dit si bien, il faut avoir une source de revenus. Donc, ça veut dire que cet argent que je sors là, c'est pour aller gagner de l'argent. Et donc, à la fin du mois, il y a de l'argent qui arrive, qui me permet de payer mon loyer.
Et pareil, le logement. Moi, je parle vraiment pour moi, pour ce que je connais. Je ne suis pas de ceux qui ont besoin de vivre dans une grosse villa, etc. ou quoi. Je suis avec mes deux enfants. Donc, en général, quand je suis partie, j'étais seule avec mon enfant, avec un enfant. Donc, l'appartement de deux pièces me suffit très bien. Et donc, les loyers, là où d'autres vont payer un loyer de 200 000 CFA ou de 300 000 CFA, moi, je paye un loyer de 80 000 CFA à tout casser. Donc, dans mon départ, ce sont des coûts que je dois prévoir. Et c'est ce qu'elle dit ici, en fait. Combien il faut prévoir? Il faut prévoir le montant pour se déplacer, pour aller gagner de l'argent. Il faut prévoir le montant pour se loger, parce que ça fait partie des besoins biogéniques, on n'a pas le choix. Il faut prévoir le montant pour manger tous les jours. Est-ce que moi, je vais aller à Abidjan et je vais vouloir faire la popote de 15 000 CFA par jour, alors qu'il n'y a que mon enfant et moi? Et il y a certains qui vont faire la popote de 15 000 CFA par jour. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, ils informent tout le quartier qui sont là. Donc, il y a des gens qui sont prévus dans leur repas de midi chez eux tous les jours. Donc, là où ils auraient sorti 3 000, ils se retrouvent à sortir 15 000 CFA pour que toutes ces personnes-là les mangent 1 000, viennent manger à midi chez eux. Et encore là, ce sont les questions à se poser. Et Liberté a dit tout à l'heure, il a dit le quand dira-t-on. En fait, c'est là qu'il faut qu'on se déconnecte de certaines choses, en fait. On n'a pas besoin, quand on rentre, d'inviter la terre entière chez nous. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Tu rentres chez toi, tu as ton projet, tu restes dans ton appartement, tu as prévu le loyer, tu as prévu ce que tu vas mettre dans l'électricité, ce que tu vas mettre dans la nourriture, ce que tu vas mettre dans tes déplacements. Tu restes chez toi, tu fais tes choses, tu es focus sur ton projet. On parle de la scolarité des enfants, mais quel est le problème avec la scolarité des enfants? Moi, en tout cas, ici en France, moi, mes enfants vont à l'école publique. Mes enfants vont à l'école publique. Et s'ils devaient vivre là-bas, c'est pareil. Ils sont français. Les quartiers où j'ai pu habiter, il y a le lycée français à côté. Je suis une mère seule avec deux enfants. Donc, ils ont d'office la bourse, ils ont la possibilité d'être à l'école française avec la bourse. Voici un poste aussi qui, pour moi, dans mon idée, est déjà prévu. Mais la petite école de quartier, il y a quelqu'un qui a très bien dit tout à l'heure, peut donner un meilleur enseignement que ces écoles à je ne sais pas combien de millions de francs CFA qui finalement... On mène aux enfants là-bas qui se retrouvent avec les enfants de ceux qui ont besoin de se faire voir. On mène aux enfants dans des écoles avec des gens qui ont l'argent, ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Ils ont besoin d'être dans des endroits où on voit qu'ils ont de l'argent, donc ils mettent leurs enfants dans ces écoles-là. Est-ce que c'est nécessaire? En tout cas, pas pour moi. En tout cas, pas pour moi. Et en France ou à Abidjan, ou aux États-Unis, ou quel que soit le coin du monde où je vais me retrouver, l'école que mes enfants vont fréquenter, c'est pas ça qui va déterminer l'éducation qu'ils vont recevoir, parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, je fais ma part chez moi. Nous sommes tous ici, je pense, d'un certain niveau d'éducation et de formation, et nous sommes capables de faire les devoirs avec nos enfants à la maison, de les éclairer, de les accompagner dans leurs études. Donc, c'est pas parce que je vais payer 3 millions que l'enfant, il va mieux savoir écrire ou lire ou je ne sais quoi. Donc, vraiment, ce sont les questions qu'il faut se poser et le combien on met dedans. En fonction de chaque situation, on va prévoir les différents postes de dépenses. Pour ma part, quand je suis rentrée, la dernière fois, j'ai passé 2 ans sur place. C'est quelque chose qui a été préparé. J'étais en congé parental. Donc, le congé parental, pour ceux qui vivent ici en Europe ou alors qui ont vécu ici, qui connaissent, eh bien, je travaille dans la fonction publique. Donc, le congé parental, j'ai une allocation qui me permet de régler mes menus dépenses. C'est ça, jusqu'à 3 ans maximum. Jusqu'à 3 ans maximum, et j'ai fait 2 ans.
Et pendant les 2 ans, quand je suis rentrée, dès la première année, heureusement, on a encore cette possibilité-là d'avoir des cousines, des cousins qui sont autour de nous, qui nous prêtent main forte, qui pouvaient garder ma fille, mon bébé, et que je puisse aller à la plantation pour aller travailler et gagner de l'argent. Donc, merci Emmanuela. Vraiment, j'aime ton intervention. Enfin, une intervention chiffrée qui nous permet en fait de visualiser un peu certains postes des dépenses. Là, on parle de quelqu'un qui est seul avec enfant et on parle du cas aussi de la Côte d'Ivoire. C'est important de clarifier aussi le pays parce qu'en fonction du pays, on ne tombe pas sur les mêmes montants, que ce soit sur les différents postes de dépenses. Mais ça permet en fait au moins que chacun puisse déjà avoir un ordre d'idée et de se dire que voilà un peu ce que je peux mettre dedans. Et est-ce que tu as aussi pensé au billet d'avion? Tu sais, c'est vrai que vous n'étiez pas nombreux, vous étiez juste toutes les deux, mais avec certaines grandes familles, même les billets d'avion, c'est quelque chose également qu'il faut mettre dans le budget, je pense aussi, parce que quand on dit par exemple retour, quand vous prenez une compagnie, n'importe laquelle, vous êtes autour des 600 euros tête. Donc, ça veut dire que quand vous pensez… 1600, les billets d'avion à 600, c'est fini. Quand j'allais avec ma fille, je suis comme Emmanuela. Moi, c'est famille solo avec 2 enfants, en période de vacances scolaires, minimum, c'est 1600. Voilà. En tout cas, moi, j'avais vu… Bon, c'est vrai que c'est un billet, lorsqu'on s'y prenait à l'avance, tu peux être dans les 800 000, en tout cas par là. Et ça te permet en fait d'avoir quelque chose, mais vraiment à l'avance. Sinon, si tu t'y prends tard, c'est dans les 1000, 2003. Maintenant, c'est un poste. En tout cas, ce que je veux dire, c'est de faire attention également à ces billets-là parce qu'on peut se préparer, mais même les billets d'avion, ça pioche déjà dans l'épargne parce que vous devez, si vous êtes par exemple 5 et que chacun a 1000 euros, ça fait déjà quand même 5000 euros qu'il faut mettre sur la table juste pour déporter tout le monde. Les pays. Et maintenant, si vous avez encore pris d'autres nationalités, les visas, c'est quoi? C'est 120 ou 170, 100, je sais pas. 167 euros, en tout cas pour le Cameroun. Voilà. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 100 euros. Voilà. Tu vois, nous, on est à 180 par personne pour le visa. Et à chaque voyage, sans les billets d'avion. De 5 et que vous devez déjà prendre 5 visas. Donc, ça veut dire que vous êtes à 180 fois 5, ça fait 900 euros. Plus 1 000 euros par personne, donc vous êtes déjà facilement à 6 000 euros, juste le billet, oui. Le visa, sans il y a les vaccins, les vaccins voyageurs. Non, sans les vaccins, seulement le billet et le visa. C'est ça. Encore que si tu fais les vaccins en Europe, oui, les trucs pasteurs, la fièvre jaune, bon. Exactement. Oui, pour les enfants, c'est 60 euros, oui. Mon bébé, c'était 60 euros. 60 euros, remboursé. Oui, ouais, la première fièvre jaune. Ouais, j'avais oublié ça. Ouais. Non, il y a tout ça. Chimène, moi, j'aimerais, ma sœur Emmanuela, honnêtement, merci beaucoup, ma sœur, parce que c'est fabuleux ton intervention. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus revenir. C'est ce que je disais, mais elle a dit de façon beaucoup plus palpable, Emmanuela, ce qu'elle appelait impôts locaux. C'est ce que nous, on appelle au Cameroun. Il y a plus de nationalités représentées ici, hein. Au Cameroun, on appelle ça tchoko. Moi, j'ai été choquée. C'est-à-dire que là, tu as cité une journée type. Qu'à peine sorti de la maison, tu as déjà des dépenses imprévues, impôts locaux, tchoko, au Cameroun, auquel tu ne t'y attends pas. Il y a un code. Je disais tout à l'heure l'administration. Je t'assure, je suis rentrée le même jour parce que je savais que le titre de séjour, c'était 120 000, mais c'était sans compter le code. C'est que la personne qui me faisait ça, il fallait donner 50 000. J'avais oublié ça. Et à tous les niveaux, il faut toujours prévoir du liquide sur soi. En Europe, on ne marche pas avec le liquide. Il y a la carte bancaire et les chéquiers. J'ai rarement les billets sur moi. En Afrique, il faut avoir les billets pour toutes ces choses. Et moi, je n'avais pas prévu ça. Tu vas même au restaurant, même quelqu'un, ton cousin, qui te, voilà, ton voisin, comme tu dis, bonjour, oui, bonjour, quand tu tends la main là. La main ne doit pas être vide. Alors qu'en Occident, on n'a pas ça. L'administration, c'est normal, c'est gratuit qu'ils fassent le boulot sans qu'on ait rien à payer. Là-bas, tu dois saluer en mettant quelque chose à la main à tous les niveaux. Ça m'a choqué les premières fois. Parce que je ne prévoyais pas ça. Jusqu'aujourd'hui, ça me choque même encore. Mais ça me choque, moi, parce que je vis aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, les types, c'est partout. Pareil, là-bas, tu ne dis pas bonjour à quelqu'un sans laisser dans la main. Et même, c'est obligatoire. C'est toujours 15% de ta facture. Tu dois donner 15% de tout ce que tu fais en main à un Américain. Donc, aujourd'hui, ça me choque, moi. Mais
Si tu es en Europe, tu arrives en Afrique, si tu n'as pas du liquide sur toi et tu n'as pas calculé ça, moi, j'ai fait un peu comme lui, une Française. C'est-à-dire que je me dis, mon budget, c'est là, c'est 80 000. Mais au final, il faut que je compte 120 000. Pour toutes ces choses-là, pas prévues, mais qui sont à intégrer. C'est hyper méga important. Ça semble banal, mais c'est les codes locaux qu'il faut connaître, auxquels il faut s'habituer avec le temps. Une question. Quand on n'est pas habitué à ça, ça peut choquer. Une question pour vous, Emmanuel. Là, déjà, on commence par toi. Le commentaire de M. Chris qui dit « Apprenez à dire non ». Est-ce que quelque part, ça ne va pas vous aider aussi à baisser vos impôts locaux? Non, non. Alors, apprenez à dire non, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Et moi, je peux le dire. C'est pas évident de dire non. Il y a des situations. Ici, en Europe, on vit un peu dans une sorte de cocon. Et comme Chimène a si bien dit, il y a les minima sociaux. Il y a un système qui est organisé de sorte que... le voisin ne va pas te permettre. Déjà, même le voisin ne va jamais sonner chez toi pour te demander du sel ou quoi que ce soit. On est bien d'accord là-dessus. Mais comment tu dis non à ton pote avec qui tu as traîné au quartier tout le temps et quand tu es venu en Europe, tu étais toujours en contact avec lui et que quand tu rentres, peut-être que c'est une phase hein, qu'il traverse, hein, mais il est dans le besoin et qu'il fait appel à toi. Comment tu lui dis non? Comment tu dis non au petit Josser de Nama que tu vois? C'est un gamin qui n'a même pas 14 ans, mais qui est sous le soleil depuis le matin et qui vient t'aider à garer ta voiture. Même si tu sais garer ta voiture, tu sais faire ton créneau ou quoi que ce soit, comment tu lui dis non en fait? Tu le vois, tu vois qu'il a faim, tu vois la faim dans ses yeux, mais il est debout, il est là depuis le matin en train de garer la voiture, de courir à gauche et à droite. Comment tu dis non? Vous prenez à dire non, c'est facile, hein. Mais quand on est en face de la demande, moi, je veux comprendre comment est-ce que tu fais pour dire non. Comment tu dis non à quelqu'un, c'est ton cousin. Quand tu étais enfant, tous les étés, tu partais, toutes les vacances scolaires, tu partais au village pour aller passer des vacances scolaires avec lui et tout ça. Et toi, tu es parti de ton côté. Il est parti de son côté. Il a sa famille. Sa femme est enceinte, elle va avoir un bébé. Il n'a même pas 5 000 CFA pour payer le kit pour qu'on admette sa femme à la maternité. Comment tu lui dis non? Il fait bébé pourquoi? Pourquoi il n'a pas d'argent? Moi, je vais m'aller au plus loin. Au moment où il te demande, histoire... tu ne te poses pas cette question-là, Chimène, je suis désolée. Au moment où il te demande, je ne parle pas d'inconnu, hein, en fait. Maintenant, si on est dans l'administration, et quoi? Moi, dans l'administration, moi, je suis très claire. Hein. Dans l'administration, ils me connaissent, il y a beaucoup qui me connaissent. S'ils me disent que mon papier va prendre 5 jours ou une semaine, ça va prendre 5 jours ou une semaine. Le code, je ne le fais pas. Je suis désolée. Mais il y a des impôts locaux que tu ne peux pas ne pas payer, en fait. Et je te complète, Emmanuela, que parfois, je vais vous faire part rapidement d'une situation même dramatique, il en va même de la sécurité. Là, tu parles des gens connus. Moi, je te parle même d'un inconnu. J'étais dans la rue un jour, il y a une camarade de classe qui m'a dit « Tiens, on va manger, on était en pleine ville. » Et tu sais, les enfants de la rue là, il y a un qui est venu vers moi, « Tata, tata, 100 francs, 100 francs. » Comme je dis, je ne suis pas habituée à marcher avec l'argent liquide. Donc, je ne lui ai pas répondu. Tu sais, tu ignores, tu avances. La sécurité, hein. On est allé en fait chez sa tata. Au moment de rentrer, chacun a pris son taxi. Moi, j'étais la dernière à prendre le taxi. Et à l'époque, j'étais avec mon ex-mari. Et je me suis dit, tiens, on va marcher à pied jusqu'à prendre le taxi un peu plus devant. Je vous assure que je me suis fait agresser à cause de 100 francs que j'ai refusés. J'ai vu deux gars du quartier venir nous entourer, nous mettre le couteau au niveau des reins, déchirer en fait les sacoches, demander ABP, hein, agent bijoux portable, tout de suite là, ABP, plein centre-ville, en plein jour, c'est pas la nuit. Les voitures circulent, les gens marchent. Et quand je me retourne, je vois le même petit garçon. Il me fait ça à Choucanon. J'ai compris que c'était ces gars qui l'envoyaient pour 100 francs. Et mais comme je ne marche jamais à l'argent, il a vu qu'il y avait 1 000 francs. J'avais juste mes 1 000 francs de taxi pour arriver chez moi. Il pensait qu'il y aurait des millions. Il a vu en plus, je lui ai dit, papa, tu m'agresses, mais en fait, je n'ai que 1 000 francs. Moi, je n'ai pas, si tu ne sais pas écrit ici, pour 100 francs que j'ai refusé, il aurait pu jouer ma sécurité. Ton voisin à qui tu refuses, tu ne sais pas si le jour où tu sors, tu reviens. Quelqu'un vient, Chimène l'a dit, hein, le propriétaire vient de vider les lieux parce que le voisin qui peut être ton gardien. Il y a des situations, on dit non, des situations, on ne peut pas dire non, surtout quand il en va de la sécurité.
Je pouvais perdre ma vie ce jour-là pour 100 francs. Mais ils ont pris les téléphones, les portables et tout. Imaginez, elle me dit que donne-moi la puce. Il m'a donné la puce. Je dis à toutes mes photos dedans, pardon. Il m'a donné la puce tranquillement. Tous les vigiles étaient témoins. Devant témoins. Pour 100 francs. Et c'est ça, en fait, tu vois. Et c'est ça. En fait, quand on est loin de tout ça, c'est facile de raisonner. C'est facile de dire, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire... Mais quand tu es en face, quand tu es dans la situation... Non, mais c'est vrai, Alexis. Moi, je pense que chacun d'entre nous ici peut raconter, en fait. On a vécu des situations où tu ne peux pas dire non. Ce n'est pas une question d'être sensible, parce que j'ai regardé un peu les commentaires et tout ça. Ce n'est pas une question d'être sensible ou alors de se poser la question de le gars, il a 3 femmes ou alors il verse le jus ou quoi. Les gars, il y a des situations... Tu n'as pas le temps de réfléchir, en fait. C'est ça, même dans les démarches. Moi, j'allais prospecter mes clients, en fait. J'entre dans une entreprise, la dame de l'accueil, hein, quand je parle des codes-là, j'ai rendez-vous avec le directeur, hein, mais signe qu'elle ne me fait pas entrer. J'ai compris qu'elle voulait des biais. Mais à l'époque, vraiment, je n'avais pas ça dans ma matrix, dans mon psychologique. Elle m'a dit, ben non, il n'est pas là. Je vois sa voiture garée, elle me dit, il n'est pas là. En fait, ça voulait dire, mais ma chérie, tu donnes d'abord. C'est moi qui ai l'entrée et la sortie ici, là. Et je n'avais pas son numéro de téléphone. Et je suis rentrée. Et je suis rentrée chez moi, bredouille. Juste parce que son assistante, elle a dit, elle ne me laisse pas entrer si je ne lui verse pas quelque chose. J'ai raté mon rendez-vous client. Et elle a le pouvoir. Le code. Elle ne m'a pas laissé entrer. L'apôtre Pierre veut venir. Donc, likez, s'il vous plaît. L'apôtre Pierre vient. Jésus l'a libéré. Il sera pour toi en live. Les amis, si vous likez, je pense que Pierre va enfin nous montrer son visage. La prochaine va venir, likez, partagez s'il vous plaît. À 100 personnes en direct, la pote Pierre vient en même temps avec le curé. Vraiment. Je voulais simplement dire qu'après avoir vécu longtemps à l'étranger, il faut aussi apprendre à rentrer parce que les gens pensent que c'est très facile. Moi, je suis rentré, je suis reparti. Ce n'est pas parce que je crois que c'est parce que je n'avais pas vraiment pris des conseils, je n'avais pas suivi des gens parler avant. Parce que c'est très facile de dire oui, je vais rentrer, je vais rentrer, je vais rentrer. Mais après, il faut savoir pourquoi tu rentres. Que soit ce que tu crois que dans la jeunesse, tout le monde aimerait rentrer. Mais le problème, c'est que des gens ne suivent pas des débats comme nous sommes en train de le faire. Parce que si tu comprends, il faut te poser tout, il faut se mettre en question avant de rentrer. Et comme il dit, beaucoup de gens rentrent juste par tourisme. Ils croient que c'est du tourisme. Ce n'est pas du tourisme. Tu peux t'installer pour une autre vie. Donc, après, il faut comprendre même les codes que tout à l'heure, quelqu'un a dit, est-ce que tu peux être sensible? Si tu ne donnes pas le 100 francs à cet enfant ou 1000 francs, c'est lui qui va casser ta pare-brise quand tu as garé, tu es allé au bureau. Donc, après, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ça le malheur. Quand nous partons, on croit que ouais, c'est normal, c'est normal. J'ai dit aux gens... Quand je partais du Cameroun, étant jeune, je ne connaissais pas le Cameroun. C'est quand je suis rentré que j'ai compris que tu pouvais mourir pour 1000 francs à l'hôpital. Étant jeune, je savais que si tu es malade, le parent te porte, il appelle au téléphone, on te reçoit même avant que tu n'arrives à l'hôpital. Mais je ne savais pas que c'était plus comme ça. Il y a aussi ça, il y a ce côté-là, la maturité. Pour la plupart d'entre nous, en partant, on était sous la responsabilité de nos parents. Oui. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas vécues. Et quand on décide de rentrer, nous sommes des adultes responsables, chefs de famille. En tout cas, nous sommes des adultes dans la société. Oui. Et on se prend de plein fouet la réalité, en fait. Et moi, je suis d'autant plus d'accord avec lui. Tu l'as très bien dit en plus tout à l'heure. Et en fait, il y a deux catégories de personnes de la diaspora. Hein. Tu le dis très bien. Il y a les touristes, hein, ceux qui vont passer 2 semaines là. Et puis, il y a ceux vraiment qui ont, je le dis à mes mots, hein, l'amour pour le pays. C'est-à-dire que c'est vraiment une immigration à part entière. C'est pour ça qu'en fait, au début du live, Emmanuela, on a retourné la question à l'envers. Quand on rentre, c'est une immigration qui demande une intégration. À tous les niveaux, il faut vous réadapter. C'est une immigration en bonne et due forme. Ce n'est pas du tourisme. Tourisme, c'est je vais en vacances, je prends un hôtel, je ne suis même pas en contact avec la famille, après je rentre. Tu peux aussi le faire quand tu vas au Portugal, en Espagne. Mais dans ton pays d'origine en touriste, il y a cette catégorie-là, ils existent, on ne les juge pas.
ils ont leur raison et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Après, il y a ceux qui ont vraiment un projet ou même pas du tout de retourner au pays pour X raisons. C'est vraiment deux profils très différents qui vont aborder cette réémigration-là d'une autre façon. Et il y a tout en jeu. On parlait du confort tout à l'heure. Tu vois, Emmanuela, moi, par exemple, avec mes enfants, il y a quelque chose avec lequel je ne peux pas lésiner, c'est la main-d'œuvre. J'en ai marre d'être la boniche ici. Je mets dans mon budget les 80 000 d'une ménagère parce que j'ai ma paix, je vais être en santé morale, physique, je serai moins fatiguée que de gérer tout en toute heure, 24/24, 7 sur 7. Ça, c'était mon premier même point de retour. Hein. Je ne vous mens pas. Pour moi, en Afrique, à l'époque, sans même projet, c'était voilà la main d'œuvre. Waouh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Chacun selon son niveau. Il y a des détails, mais qui ne sont pas des détails. Votre détail peut être le point focal de quelqu'un. Il y a tout ça à prendre en compte. Et même si on a fait marche arrière, moi je n'appelle même pas ça marche arrière. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ariel. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y en a même qui sont rentrés tellement la main d'œuvre, c'était un problème. Elles en ont fait leur business finalement. Et aujourd'hui, elles recrutent des femmes, des ménagères, des femmes du personnel de maison pour des gens justement qui rentrent. Tout à fait. Et ça aussi, c'est une façon, justement, comme il disait Nathanaël, de prévoir une source de revenus. Oui, tout à fait. Ici en Europe, pour une maman seule, je vous assure, vous n'allez pas développer en carrière parce que vous allez être 35 heures. À 16 heures, il faut courir chercher les enfants. Tu ne vas pas dire à ton boss que, ben oui, alors moi, je travaille de 8 heures à 16 heures. Non, tu vas travailler, c'est possible, mais tu vas rester à un certain niveau parce que tu ne travailles que 35 heures. Tu vois, toi, tu es en milieu hospitalier, tu vois, mais dans les entreprises, c'est difficile. Ça dit que je ne progressais pas. Je me suis mise à mon propre compte pour des conneries comme ça. Hein. Aussi simple que ça. Je veux être libre de mes horaires de travail. Voilà, et gérer mes enfants. Ça te donne tout un autre état d'esprit, toute une autre réorganisation. En Afrique, je n'aurai jamais ce problème-là. Il y a toujours quelqu'un à la maison. Toujours. Quitte même à aller squatter dans la maison familiale. Merci Ariane. Il y a un commentaire là, celui de Joseph Big Ben. Déjà, pensez à liker, partager autour de vous, les amis. Mettez des likes. Nous sommes assez nombreux, il n'y a pas assez de likes. Le commentaire de Joseph Big Ben qui s'offusque de ne pas avoir des moi, j'aurais bien voulu répondre, Chimène. Partager ton expérience, Joseph Big Ben, parce que aujourd'hui, tu veux des chiffres de d'autres personnes, l'exercice fait par d'autres personnes. Ben, ce serait pas mal aussi que tu viennes en direct et que tu fasses le même exercice. Ça pourrait aider également d'autres personnes. Ce serait pas mal parce que généralement, c'est simple de l'écrire comme ça en commentaire, en mode, voilà, faites un peu, bougez-vous un peu et puis fournissez-nous quelque chose. Mais ce serait aussi pas mal si tu peux contribuer dans ce sens-là. Ça aiderait ici aussi d'autres personnes qui nous lisent ou nous aussi en direct là parce qu'il y a les gens qui veulent rentrer qui se pose la même question de chiffrage. Donc, n'hésite pas, il y a le lien là, clique dessus et viens partager ton expérience. Tout à fait, et c'est un sujet capital. Mais je pense qu'on a donné des chiffres, non ? On a donné des chiffres, on a donné des postes de dépenses, on a donné des chiffres, non ? On a donné des chiffres, on a même listé de façon exhaustive, et je dis et je répète, c'est un sujet important. Si on l'avait su il y a 20 ans, je pense qu'on n'aurait pas fait les mêmes erreurs. Moi, je remercie aujourd'hui d'avoir rencontré Chimène, de la connaître sur des sujets qu'elle développe comme ça. On n'aurait pas fait ces erreurs-là il y a quelques années si on était alerté, sensibilisé à ces questions-là. Dimanche dernier, on a même parlé de finances. On allait loin, plus profondément dans la gestion financière, l'intelligence financière. Je l'aurais su, je n'aurais pas fait marche arrière. J'aurais préparé ça comme ça alors que je vous parle, j'aurais été en Afrique. C'est vraiment des sujets importants sur lesquels les gens ont besoin de savoir. C'est les sujets sur lesquels les gens procrastinent et préfèrent souffrir en Europe. C'est très important les sujets qu'on aborde là, vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les gens arrêtent de suivre des sujets comme ça. Parce qu'à la fin, tu vois, c'est quand tu prends du recul que tu comprends que mais pourquoi tant de gens échouent, pourquoi tant de gens font ça, pourquoi. Parce qu'à la fin, tout le monde dit que ouais, ça ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas m'arriver. Mais quand tu vas en Afrique, tu te dis, OK, je suis rentré en tant que fils de quelqu'un au pays. Mais quand tu passes même l'interview, tu dis que mais si j'ai vécu ici au Cameroun et qu'on me prend sur ce genre d'interview, un matin, on va me dire, pars chez toi, rentre chez toi si ton père n'est plus là. Donc, après, tu te poses la question, mais pourquoi je suis même rentré?
Parce que beaucoup de jeunes ne savent même pas ce que c'est que le Cameroun. J'ai mon beau-frère qui vient d'arriver chez moi il y a peut-être 2 mois. Mais quand je le suis parlé, je me dis, oh, le pauvre, il n'a rien compris, c'est même resté au Cameroun. Tu lui poses des questions sur le Cameroun, tu lui expliques le Cameroun, tu lui expliques des choses. Il est comme s'il était nouveau dans le Cameroun, même d'où il sort. Et quand tu lui expliques comment ça se passe, il te dit que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne croit pas. Il te dit que mais ça fait 15, 17 ans que je suis parti du Cameroun. Tu ne fais pas et tu sais que comme on dit, si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Donc, vaut mieux ne pas comprendre, c'est que tu es sur le droit chemin. Je lui dis que non, ne fais pas cette... Ah, regarde les autres. Si j'étais venu jeune comme tout, je serais plus rentré. Ce n'est pas... Mais tout son problème, c'est que dans 3 mois, je rentre au Cameroun, vois un peu comment ça fonctionne. Tout sa tête, c'est qu'il va rentrer un peu pour voir comment ça fonctionne. Je lui dis, mais bâtis, épargne un peu. Fais telle chose. Mais bon, ce n'est que... Tu peux que donner conseil aux gens. Et les conseils, ce n'est pas obligatoire. Il peut prendre comme il peut les laisser. Donc, après, je dis toujours... Il faut vraiment que les gens apprennent comment l'Afrique fonctionne quand tu es parti de l'Afrique. Parce qu'après, on va dire que ouais, ceux qui sont restés sont orgueilleux, tout ça. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils ont trouvé leur chemin. Et ils savent beaucoup trouvent par hasard. Ils ne vont pas t'expliquer comment ça fonctionne. Parce que lui-même, il comprend ce qu'il est arrivé. Il est arrivé. Il a ouvert un business. Il a offert des services. Et là, il est devenu multimillionnaire. Quand tu es arrivé, tu as dit que mais le gars, il se prend la tête. Il ne se prend pas la tête. Il vit sa vie comme il a toujours vécu. Il n'y a pas d'équation de vie en Afrique comme ici. Tu dis, bon, OK. Parce que la société a besoin de telle chose, de telle chose, de telle chose. Donc, après, il faut que vraiment les gens comprennent l'Afrique pour pouvoir rentrer. Et c'est le malheur que nous n'avons, que beaucoup de gens n'ont pas. En fait, papa, dimanche dernier, on a établi... Je peux intervenir? Vas-y, Alexis. Oui, il y a Joseph qui a insisté là pour dire, oui, donnez vos minima, donnez vos montants et puis on avance, quoi. Le fait de dire ici qu'il faut 20 000, il faut 60 000, il faut 300 000 pour entrer au pays, ça va changer quoi sur le problème? Ça va changer quoi? En fait, moi, ce je sont pense... quoi même, c'est d'abord quoi? Exactement, c'est là où j'ai commencé. J'ai dit d'abord, pourquoi tu rentres? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Joseph, toi qui insistes qu'il faut un montant, moi je t'ai dit tu peux rentrer au pays avec 1 euro. L'argent, le taxi qui va te permettre de quitter l'aéroport, arriver à la maison, 600. Tu arrives à la maison et tu commences à développer ton projet. Un avion gratuit. C'est la mise en relation des personnes. Pour ça, tu n'as pas besoin d'argent. Tu arrives au pays, tu payes ton taxi, ça te dépose à la maison, tu commences à... Fonner les gens, tu les mets en relation, tu gagnes l'argent, tu fais ta vie. Là, ce n'est pas le montant qui détermine le retour au pays. C'est qu'est-ce que je vais faire là-bas? Est-ce que j'ai assez de motivation pour pouvoir le faire? Est-ce que j'ai compris le système sur place? C'est de ça dont on parle. Parce que se projeter, dire que j'ai marre d'ici, oh, je vais rentrer, tout ça, ça on entend ça, on rabâche ça toujours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais fais-toi déjà une expérience. Ne fixe pas une somme très haute ou quoi. Tu peux commencer avec ton prochain salaire. Ton prochain salaire, là, tu dis que bon, l'économie de ce mois-là, je vais tester quelque chose au pays avec. Donc, il ne s'agit pas ici de dire, oui, moi, j'ai mis mon estimation. Tu as mis combien? Redonne-nous ton estimation ou viens le défendre ici. Tu vas voir qu'on va tout de suite t'amener des problématiques qui vont faire que le montant que tu as mis, tu vas encore devoir le réviser. Donc, c'est ça. Et qu'il faut être sur place même pour donner des montants. Combien de fois on a vu des gens monter des projets parce qu'ils venaient en mode touriste? Pour être en Afrique, il faut être localement présent, c'est-à-dire que 30 jours du mois, juste fois 2 mois ou même 6 mois. Voilà, moi j'ai passé 6 mois. Attends, juste une question à la fois, s'il vous plaît. Ariane, attends un peu, je finis. Est-ce que Joseph, est-ce que toi tu veux rentrer dans le cadre de ta retraite et donc aller t'asseoir simplement au pays et puis consommer, ou alors tu veux rentrer pour mettre en place un projet et pouvoir vivre de tes revenus au pays? Parce que c'est un peu là la nuance. Quelqu'un qui rentre au pays, qui rentre se reposer, là, le calcul est simple. Il faut que tu payes ton loyer, voilà. Soit tu prends ta pension que tu as travaillé ici en Europe et ça couvre tes charges, ou alors tu te poses la question principale qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce que je peux aller travailler ou mettre en place un projet, avec quelle somme il me faut pour pouvoir vivre. Et donc, pour répondre à cette question de quelle somme il faut pour aller développer un projet ou travailler afin de vivre sur place, la réponse, c'est celle que Liberté a donnée à Ariane, c'est que, ben, en fait, tout dépend de ton pourquoi.
Il n'y a pas une somme. On ne peut pas fixer une somme. Parce que si moi, mon projet, c'est d'aller construire un immeuble ou 10 immeubles, moi, il me faut 100 millions, 200 millions, 300 millions. Je ne vais pas venir écrire ici. Pour entrer au pays, il vous faut environ 300 millions. Ça n'a pas de sens. Ou si mon projet, c'est juste mettre en personne des relations parce que je connais le numéro d'un ministre ou quoi, il me faut 1 euro. Le taxi, dès que j'arrive à l'aéroport, j'ai mon taxi pour arriver à la maison. Le lendemain, je commence à appeler mon réseau et je commence à gagner de l'argent. Vous voyez? Donc, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez rentrer? Si je rentre parce que j'ai déjà tellement travaillé, si c'est ma retraite, je n'ai pas besoin d'argent puisque ma pension va tomber tous les mois. Donc, je m'assois au pays, ma pension tombe, ça vit dans mon compte, je suis sur place. Donc, c'est un peu ça. Donc, le montant, Joseph, donne-nous ton montant et tu nous dis pourquoi est-ce que tu mets ce montant et on verra si c'est cohérent. C'est simplement ça, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Parce que là, il dit, tout ce que Ariane dit ou qu'Emmanuel dit, il dit que ce sont des savants, des sachants, on est en train de philosopher. Lui, ce qu'il veut, c'est le chiffre. En fait, lui, le chiffre. Si nous fait part de son projet, on peut lui faire un business plan tout de suite. Hein. On peut mettre des montants. Hein. On a la chance d'avoir ici en haut des personnes locales, des personnes à distance. On peut évaluer son truc, on lui donne un montant. Hein. Avec plaisir aussi, c'est possible. Donc, ça veut dire que Joseph, n'hésite pas à mettre ton projet là. Tu as les personnes qui sont disposées à te dresser le montant à la virgule près en euros et en francs, c'est pas de ce qu'il te faut là. Pour rentrer, donc n'hésite pas à définir ton projet et ta situation aujourd'hui. Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que voilà, tu rentres avec enfant, ainsi de suite. Ça va permettre de te définir rapidement ton business plan retour. Et moi, j'aimerais juste compléter, si vous terminez, ce que Emmanuela a dit au départ. En fait, c'est que personne, pour ceux qui rentrent de la diaspora, personne ne vous attend au pays, hein. Sachant que ceux qui veulent être salariés, qui vont être en recherche d'emploi classique, c'est pas comme ici. Vous n'allez pas aller sur Internet, vous cherchez les offres d'emploi. Hein. La plupart, en général, datent d'il y a 2 ans avant. Il va falloir batailler, être sur le terrain. Donc, ça, c'est pas un mode de tourisme. En tout cas, quand on veut être salarié, il faut être sur place. Personne ne vous attend. Personne ne vous attend sur place. Ça, c'est une réalité. Il faut savoir faire avec. Ou alors, comme Liberté dit, voilà, si vous êtes dans la mise en relation. En fait, selon votre projet, voilà, il faut se battre. Tous les salariés classiques, en tout cas, la recherche d'emploi ne se fait pas comme en Occident. Je pense qu'on se rend vite compte de ça. Et il vaut mieux être localement présent, quoi. Entre parenthèses. Voilà Kofi qui dit, je pense que pour quelqu'un qui a sa maison déjà au pays, 10 millions pour le retour, c'est pas mal. Voilà, quelqu'un qui dit 10 millions pour son retour, c'est pas mal. Donc, vous voyez que 10 millions... C'est si 2 ans, là. Hein? De quoi si tenir vous... pendant 2 ans, lancer le champ d'ananas, c'est une très bonne somme. 10 000... Ça veut dire que si tu as 15 000 euros aujourd'hui, tu peux être pépère dans ton retour. C'est posé, c'est calme, ça ne souffre de rien. En attendant de régénérer de l'argent, de fructifier ça autrement. Ça passe vite. Il n'y a pas d'école comme Fustel dans les parages parce que avec ça seulement, la première année, j'ai envie de dire que c'est bon, tu as vidé les comptes en inscrivant les enfants à l'école. C'est ça. Donc, pour les locaux, comme Emmanuel disait, effectivement, pour nous, les mamans seules, pour ceux qui ont la nationalité, c'est plutôt un avantage parce qu'on paye très peu, en fait. Voilà. Donc, ça dépend vraiment des cas. Elle a cité les cas, voilà. Il y en a qui ne payent pas, qui sont vraiment liés à l'état d'origine. En l'occurrence, fût-elle français. Quand on est français, la France protège ses ressortissants où qu'ils soient dans le monde. Donc, quand vous voyez les gens aller à Fustel, là, c'est pas parce qu'ils veulent jouer les grands. En fait, Emmanuela Fustel, c'est l'école française dans la capitale au Cameroun. Donc, pour ceux qui sont français, ils payent beaucoup moins que des locaux. Toi qui es Camerounais d'origine, tu payes beaucoup plus qu'un français. C'est dans ce sens-là. Donc, il faut pas juste regarder et juger. Un français paye plus de la moins de la moitié que toi qui es Camerounais. Donc, le Camerounais qui veut juste aller faire bon chic, bon genre, il va sortir 3 millions. Les Français ne vont peut-être que sortir 500 000. Je pense que le débat est clos dans ces cas-là. Vous allez même d'abord faire quoi à Fustel, même d'abord? Il n'y a que Fustel. Parce que le bac, il repasse par... C'est pour ça que je disais au départ, ça dépend si le parent veut faire entrer son enfant, avoir un bac français.
les trois dernières années doivent être dans un collège français parce que c'est le même programme en fait. Non, non, ce sont les histoires, Ariane. Par exemple, nous qui sommes partis, là, ceux qui partent après le bac ici, ils commencent tout de suite le L1, là-bas, licence première année. Est-ce que tu as besoin, est-ce que nous, on est sortis de Fustel et tout ça? Nous, on est sortis des collèges qui n'avaient rien à voir. Et pourtant, tous ceux qui sont partis après bac, ils ont bien intégré la licence et tout. Le bac camerounais est reconnu, donc il faut arrêter de nous... de nous mettre des choses au quoi il faut avoir l'équivalent en français pour non ton tout à micro fait. Ton micro est coupé puisque on a fait la cato à Yaoundé comme il y a la cato à Lille aussi, donc effectivement c'était sans transition. Ton micro est coupé. Non, il faut arrêter de nous faire déjà, il faut avoir les bacs français. Non, ceux qui sont partis avec les bacs camerounais ont intégré bien le niveau 1 de licence là-bas sans souci, sans problème, la conversion se fait nickel. Alexis, ton micro est fermé. Ton micro. Oui, voilà. Oui. Je disais, j'avais une autre proposition de réponse par rapport à pourquoi Fussel, pourquoi les grandes écoles françaises. Simplement pour le réseau, quel parent n'aimerait pas que ses enfants aient le plus de chance dans la vie? Je pense que si tous parents pouvaient, ils inscriraient dans les meilleures écoles possibles. Pourquoi? Parce que certes, vous me trouverez toujours le cas de quelqu'un qui a fréquenté le lycée le plus pauvre de Yaoundé qui est devenu tel ou tel, mais la plupart de ceux qui sont bien positionnés viennent de ces écoles-là. Donc, en tant que parent responsable, tu te dis que non, moi je vais mettre mon enfant dans où son entourage va lui permettre d'accéder en haut demain. Donc, oui, quand un parent arrive au pays, il va forcément chercher l'école la plus haut gradée pour pouvoir inscrire ses enfants. Et moi, ça me fait souvent sourire quand les personnes ici disent « Oh, le système français, c'est n'importe quoi, tout ça, on va rentrer pour que nos enfants n'aient pas la culture d'ici, tout ça. » Mais quand ils arrivent au pays, c'est toujours dans les mêmes écoles françaises qu'ils vont aller inscrire les enfants. Pourquoi? Parce que quel parent peut me dire que non, moi, je préfère que mon enfant soit dans l'école du quartier du pays comme moi, j'étais avant. Non, toi, tu veux la meilleure école pour ton enfant. Donc, dis que tu fuis la meilleure forcément française alors. Comment? Mais Chimène, il a raison à Alexis. Tu sais quoi? Nous on a eu, moi je pense en tout cas que nous, notre génération, moi j'ai bientôt 50 ans. On a eu beaucoup de chance d'avoir des écoles publiques où il y avait réellement un enseignement de qualité. Avec des profs locaux. Je ne parle pas de ces écoles qu'on a connues à l'époque où tous les profs sont français, etc. Je ne parle même pas de ça, en fait. Moi, je le dis toujours et je n'en ai pas du tout honte. Au contraire, je pense que c'est ce qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. Mes parents vivaient à Yopougon, Ouassakara. C'est un quartier précaire. Ma mère, qui n'était pas parmi les élites ou quoi que ce soit, est une femme qui a toujours eu de l'audace et qui rentrait là où on ne l'attendait pas, m'a permis, avec mes notes à l'école, de rentrer dans ces écoles publiques-là qui aujourd'hui produisent les élites de Côte d'Ivoire. J'ai fait le lycée jeune fille de Bengerville à l'époque où Feu Mami Fétet, la petite sœur d'Oufouette Boigny, était la marraine de cette école-là. Et quand tu rentrais dans cette école-là, tu fréquentais les enfants des ministres, etc., etc., etc. Je parle de ça parce que Alexis parle de réseau. Et à l'époque, tu n'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour faire du réseau à tes enfants, pour te faire du réseau. Tu pouvais, dans une école publique, fréquenter les enfants de l'élite et pouvoir te faire le réseau et aller plus loin. Mais aujourd'hui, effectivement, les écoles comme Fustel, je ne sais pas en tout cas si c'est l'équivalent des écoles françaises qu'on a, nous, à Abidjan, mais c'est de place to be, en fait. Quel que soit ce que tu veux que ton enfant fasse demain, c'est de place to be. Il y a Pierre Apôtre qui a dit, ben oui, le bac français. Le bac français, il est important. Moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'en France, nos enfants, pour rentrer dans Parcoursup, c'est Parcoursup pour arriver ici, on va privilégier, et vous savez qu'il y a des quotas, vous le savez ça, il y a des quotas pour les ressortissants français hors de France qui permettent à nos enfants qui ont fait ces écoles françaises-là dans nos pays d'avoir des places prioritaires pour rentrer dans certains établissements ici en France ou en Europe même. Donc oui, les parents qui veulent que leurs enfants fassent ces écoles-là, moi je suis tout à fait OK avec, c'est légitime.
c'est légitime. Maintenant, si tu es Camerounais, que tu vis sur place et que tu veux qu'on sache que tu as de l'argent, donc tu vas aller mettre ton enfant là-bas, ben, c'est pareil, quoi. Ça dépend de la raison pour laquelle tu fais que ton enfant fréquente ces établissements ou que tu te crées certaines dépenses, finalement. Tout à fait, Emmanuela. Je te complète en fait en disant que oui, localement, on a eu la chance d'avoir de très bonnes écoles. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des grands frères. Moi, j'ai fait le lycée Joss à Douala. Il y a la MAJOS, l'association des anciens de Joss, qui sont tous des directeurs des sociétés locales. Donc, il y avait des très bonnes écoles, lycées, collèges locaux qui fonctionnent très bien. Maintenant, ça revient effectivement à ce qu'on disait un peu, que ça dépend du projet du parent pour son enfant. Il y a un réseau d'écoles quand l'enfant va aller à l'international. C'est pas nous qui l'avons inventé, ça a toujours été comme ça. Pour ceux qui sont en France, effectivement, il y a un réseau, l'AFE, en fait, ça s'appelle Manuela, l'Association des Français de l'étranger. Comme elle vient de le dire, il y a un quota. Et il faut venir les écoles françaises. Dans chaque pays francophone, la France a effectivement ces annexes-là avec un quota pour regagner la France pour les parents qui ont ce projet. C'est l'AFE. Maintenant, pour d'autres pays, par exemple, il y a toujours aussi un réseau d'écoles reconnues. Moi, j'ai pris le cas de mon frère et ma petite sœur dont je payais leur école. Ils sont allés juste à Chypre. Ça, c'est le côté américain et canadien. C'est-à-dire que l'université où on les a inscrits, c'est parce qu'on avait pour projet pour eux d'aller aux États-Unis. Donc, il a fallu passer par cette université-là. Et je vous assure qu'on a déposé le dossier aux États-Unis, j'ai été retenu sans souci par rapport à venir du pays. Quelqu'un va à Chypre rien que pour intégrer les États-Unis, hein, pour finir le bachelor. Parce que ça faisait partie du réseau d'écoles, d'universités. Donc, il y a toujours un réseau. Donc, quelque part, tu es obligé de mettre ton enfant dans ce réseau-là par rapport à ton projet. Après, si tu n'as pas ces projets-là, et oui, ne te casse pas la tête dans ces cas-là. Donc, une fois de plus, ça dépend de ce que le parent veut pour après, pour l'enfant. Après, quand tu dis ça, Ariane, par exemple, toi, dans ta situation enfant français, bah, aujourd'hui, quittant de la France pour les États-Unis, tu n'as pas besoin de te prendre la tête pour un visa, que ce soit pour les enfants, pour les études ou quoi que ce soit. Bien sûr. Même s'ils sont là-bas, donc... En soi, quand tu retournes, sincèrement, c'est juste rentrer puis de s'inscrire ou alors partir aux États-Unis parce qu'il part avec le passeport français et ça, c'est tout. Donc, je veux dire, ça, quand c'est le passeport. On est dans la situation de quelqu'un qui a pris la nationalité du pays d'accueil, sincèrement, je trouve qu'on se fait un nœud au cerveau pour ces affaires-là. Oui, là, tu parles du côté administratif, visa. En fait, là, attends, je termine, s'il te plaît. Là, il n'y a pas besoin de visa. Mais là, si tu viens sur le sujet école, pour ma fille, par exemple, je suis obligée d'en la mettre quasiment dans le réseau d'école américaine si je veux qu'elle aille continuer aux États-Unis. Sinon, ça lui fera une année de prépa. Parce qu'ils ne reconnaissent pas les diplômes français. Tu vois ce que je veux dire? Oui, attends, en France, ils ne reconnaissent pas les diplômes français. Ça lui fera une année de prépa. S'il faut éviter l'année de prépa, il faut déjà qu'elle soit dans le réseau des écoles américaines. Et j'en ai répertorié 5. Sauf que je n'ai pas ces sous-là. Donc, elle va faire la française et elle va faire son année de prépa. Point barre. Tu vois, c'est le réseau dont je parle. Pour aller aux États-Unis, français, chinois. Le coût, Ariane. Bah oui, tu vois, à cause de ces coûts-là. Année de prépa, pour réduire les coûts et qu'elle aussi, qu'elle se bouge, qu'elle bosse et qu'elle fasse son année de prépa. Chacun contribue. Voilà, pour apprendre surtout l'anglais. On ne parle pas l'anglais ici en France. Rien que pour l'anglais, elle fera l'année de prépa, là. C'est tout, point bas. Ne me casse pas. C'est ça. Tu vois, s'il y a ce projet-là, il y a tout ça qui rentre en jeu, en fait. Mais il y a un réseau bien précis d'écoles par rapport à chaque pays. Et Amelon, tout à l'heure, elle mettait, il y a des écoles privées locales qui sont pas mal. Ouais, il faut les chercher. Hein. Il faut les chercher. Amelon, une question pour toi, Emmanuela. Pardon? Les enfants qui ont fait MEMOS ou Decathlon ont-ils un meilleur réseau que ceux qui ont fait le lycée classique et l'INPHB ou le MPT? Je suppose que c'est en Côte d'Ivoire. Oui, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, justement, c'est typiquement l'exemple que j'étais en train de prendre tout à l'heure. Descartes ou Mermoz. Elle a parlé de l'AFE. Ce sont des écoles françaises, hein, Descartes ou Mermoz. L'INPHB, c'est l'Institut Félix Houphouët-Boigny. Ce sont des établissements d'excellence. Le lycée classique d'Abidjan, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en tout cas, produisait les élites. Au lycée classique d'Abidjan, on parle des Caïmans. Ça fait partie de l'un des premiers établissements au niveau du classement, établissement public. Hein. Moi, j'ai connu le lycée classique établissement public et je pense que c'est toujours le cas. Eh bien, dedans, il y a tout ce qui est vie associative. Il y a tout ce qui est réseau qui est déjà inculqué aux élèves, aux étudiants, avant même de sortir de l'école.
Donc oui, ils peuvent avoir le même réseau parce qu'ils côtoient les enfants de Mermoz ou les enfants qui ont des parents qui ont fait Mermoz. C'est le même réseau en fait. Et là, il est en train de citer des établissements d'élite. L'EMPT, École Militaire Préparatoire. École Militaire Préparatoire. Il y a pas longtemps, on n'acceptait pas les femmes dans cette école-là. Et Dieu merci, les choses ont bougé et tout ça, on accepte les femmes. Et moi, je me souviens qu'à mon époque, il fallait vraiment faire partie des meilleurs de ta promotion pour pouvoir rentrer à l'EMPT. Donc, on formait là-bas des militaires. La formation militaire, c'est dans cet établissement-là, eh bien, je n'ai même pas de doute à dire que c'est du niveau des écoles militaires qu'on peut connaître ici en France, de Saint-Cyr et autres, qui forment des élites. Mm-hmm. Qui forment des élites. Donc oui, c'est le même réseau. Ce sont les mêmes, en fait. Oui, comme les miens chez nous au Cameroun, tout à fait. C'est ça. Mm-hmm. C'est toujours bon chic, bon char de savoir qu'on vient d'une bonne école. Ça ouvre les portes. Hein. En Europe, on le voit avec les écoles de commerce. Quelqu'un qui a fait une école de commerce par rapport à une fac. C'est vrai qu'il y a toujours cette discrimination-là, mais bon, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Hein. Tu as plus de chances déjà d'être accompagné. Bon, moi, j'ai eu la chance de connaître les deux et j'ai en plus fait du recrutement. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Quand tu viens d'école de commerce, oui, on les traite un peu souvent de feignants parce que tout vous vient déjà sur le plateau. Vous avez déjà les entreprises bien ciblées pour vos stages. Vos stages sont facilités parce que c'est vraiment un réseau dans le réseau. Limite, tu ne peux pas chômer quand tu viens d'une école de commerce parce que les entreprises sont déjà là. Elles recrutent même souvent avant la fin des diplômes. Alors que la fac simple, celui qui a fait la fac simple, mais c'est quelqu'un qui est habitué à se battre. Il a été prouvé que ceux qui viennent de la fac en entreprise sont beaucoup plus débrouillards que ceux qui viennent des écoles de commerce. Mais en même temps, pour avoir accès au marché de l'emploi, c'est quand même l'école de commerce. Moi, des employeurs me demandaient, des personnes qui venaient de telle école, hein, les DEC, HEC, Pont et Chaussée, ils demandaient vraiment des profils comme ça. Alors qu'à côté, j'avais des profils en fait qui venaient de fac tout à fait classiques et qui étaient beaucoup plus compétents. Donc, il y a toujours effectivement cette dichotomie entre les deux. Mais bon, le marché est ainsi fait. Hein. Le marché est ainsi fait. En Afrique aussi, je me dis que c'est pareil. Ah, c'est mais pardon, excusez-moi. Amelan, peut-être que je n'ai pas bien compris ta question, mais les établissements que tu as cités, que j'ai vus tout à l'heure en commentaire, il me semble que ce sont des établissements publics, hein, à part Saint-Paul, qui je pense est peut-être privé. Mais sinon, le lycée Sainte-Marie, c'est public. Je pense pas me tromper en disant que le lycée Sainte-Marie, c'est public. Je ne sais plus les autres écoles qu'elle a citées. Le lycée classique, c'est public. Après, Notre-Dame d'Afrique, c'est privé, c'est catholique. Mais à part les deux, là, Saint-Paul et Notre-Dame, les autres, ce sont des établissements publics, en fait. Parce que tu disais qu'il y a des établissements privés qui sont pas mal. C'est pour ça que j'ai dit, mais il faut les chercher. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements privés qui font office d'école boutique. Il y a Rigobert qui vous dit « Ce n'est pas le complexe de la colonisation qui continue chez les Africains. Il faut se fixer un objectif quand on veut immigrer en Occident, aller là-bas tricher leur technologie qui a avancé. » Non, moi, je dirais que c'est pas le complexe. C'est ce que, justement, c'était même du dimanche dernier. On s'est dit, quel que soit le projet, il ne faut surtout pas copier-coller. Il y a une africanisation à adopter. Tu peux amener un projet, une innovation, mais faut toujours tenir compte du local de la culture. Tout projet n'est pas copier-collable en Afrique. En tout cas, ça marcherait pas. Vu nos mindsets, il faut surtout pas débarquer en Afrique avec ses grands sabots. Je vais révolutionner le monde parce que le mindset en Afrique est tellement différent. Donc, non, c'est pas la colonisation. En tout cas, tout homme d'affaires, hein, c'est un conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il faut surtout pas copier-coller, quoi. Il y a toujours une réalité locale. Est-ce qu'il parlait pas de l'éducation ? Oui, oui, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il parlait pas du fait que vous privilégiez le fait d'envoyer vos enfants dans les écoles françaises, américaines et patates Super, Je peux répondre. Moi, j'attendais en fait la réaction là. C'est même ce que j'attendais. Vas-y, Alexis. C'est même ce que j'attendais. C'est pour ça que j'ai parlé du réseau. J'ai lancé le pic et Emmanuela et Ariane ont continué dedans. Et là, Rigobert vient vraiment sur les réactions que j'entends toujours. Les gens qui disent que non, l'école, c'est la colonisation. C'est comme ça qu'on nous prend toujours. Non, il faut qu'on aille, on met nos enfants dans nos cases, on les apprend ce que nous, on veut les apprendre, nos traditions, on les apprend.
Mes amis, vous vivez sur quelle planète? Vous vivez où, s'il vous plaît? La planète Terre. Puis le monde que vous vouliez ou vous ne vouliez pas, le monde avance. Les cas, tout, mon frère. Ça sera mis dans des musées. On sera tous demain dans des personnes qui vont vivre dans le numérique, les ordinateurs, les trucs. Même si vous prenez votre enfant, vous le fermez, vous allez l'enfoncer. Il va dire que papa, j'ai vu un écran, j'ai vu quelque chose bouger comme ça, on appelle ça comment? Bouger. Donc, dites-vous déjà que pour pouvoir demain participer, avoir son mot dans ce qui pourra être fait, il faut être dans le système. On ne peut pas changer, modifier, intervenir sur le système en étant dehors. Ce n'est pas possible. Alex, donc, moi, de toutes les façons, je ne veux même pas répondre à ça. Parce que tu sais quoi? Ce genre de personnes qui font ces commentaires-là, aller dans une classe, dans nos pays là-bas, hein, dans nos quartiers, dans nos pays, dans une classe, dans une école publique, aller voir ce qui se passe avant de venir parler de colonisation, de machin. Moi, les grands penseurs me fatiguent. J'aime les gens de terrain, les gens qui ont pratiqué. Non, Emmanuel, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans des écoles publiques, dans des établissements publics, il y a des enfants en CP qui sont 65 dans la classe. De quoi on est en train de parler ici? Toi, tu vas aller mettre ton enfant dedans? Mais soyons un peu sérieux. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Non, la maîtresse, même où le maître, la phrase que le maître va dire, il y a 5 fautes dedans. Tu veux mettre ton enfant dedans? En fait, tu as des personnes, en fait, je pense que Rigobert, lui, il est même dans le combat de l'école même en soi, en fait. De dire pourquoi ramener nos enfants dans ces écoles-là, pourquoi les apprendre en fait à lire le français, pourquoi les apprendre à... Mais oui, c'est parce que la colonisation lui a permis de lire et écrire correctement qu'il peut nous mettre ce genre de commentaires ici, en fait. Colonialisme, il a appris où? S'il était resté dans sa case, il aurait su ce que ça veut dire colonialisme. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas ça qui fait l'éducation. En train de tirer sur les gens, la Rigobert vous répond. Pour venir en Afrique, dans le secteur d'activité que tu veux faire fortune, quand les Européens viennent en Afrique, c'est pour prendre nos matières premières. Il faut éviter d'envoyer encore vos enfants dans la gueule du loup. C'est ça, en fait, qui veut vous faire comprendre. Mais vous ne comprenez pas ici, je ne sais pas. Mais liberté a bien... En fait, on a déjà cité toutes les raisons. Il y a effectivement ce réseau, il y a tout ça, il y a l'avenir. Mais Emmanuela avait bien précisé aussi que ce n'est pas ça qui fait l'éducation. N'oubliez pas, il y a l'école dans l'école et il y a l'école à la maison. Ce n'est pas ça qui fait l'éducation de l'enfant, excusez-moi. C'est toi qui éduques ton enfant après. Moi, je sais que moi, j'ai eu le cas ici en classe de CP en France. Ma fille rentre un soir, elle me dit « Oui, la France a gagné, on est les meilleurs, ils ont gagné la guerre. » Je lui dis « Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi un peu, s'il te plaît. » La France n'a gagné aucune guerre, ça s'appelle les tirailleurs. Je vais t'apprendre la vraie histoire. Ce que tu apprends à l'école, là, tu apprends, ça s'arrête à la porte. Et c'est qui ici chez moi, je vais t'apprendre la vraie vérité. À vous d'éduquer vos enfants quelque part, je suis désolée. Et là, effectivement, je partage avec vous mon cas personnel. Hein. J'ai une dichotomie, un autre problème actuel. Au Cameroun, on entre à l'école à quel âge? 3 ans. Mon dernier, 3 ans, n'est-ce pas? 3 ans, tu peux faire le pre-nursery ou ceux qui font la partie francophone. C'est la première année de maternelle, là, non, petite section, moyenne section, grande section, n'est-ce pas? Vous allez aux États-Unis, je dis bien, je vis sur les 3 continents. Ma sœur m'appelle, elle m'engueule. Pourquoi tu stresses l'enfant en 3 ans? Machin, là-bas, l'école commence à 6 ans. Vous traitez l'enfant à écrire à 3 ans, 4 ans, il doit même encore têter là-bas. Hein? Parce que vous, là-bas, aux États-Unis, vos enfants entrent à l'école à 6 ans. C'est à 6 ans qu'ils apprennent à écrire. Ben, je suis désolée, au Cameroun, à 4 ans, ils tiennent déjà bien le stylo, le crayon. C'est une réalité. Après, est-ce que c'est parce que je maltraite mon enfant, parce qu'à 3-4 ans, je le traumatise d'entrer à l'école? Je dis, mais la loi, dans tous les pays francophones, même ici en France, l'enfant entre à l'école à 3 ans. Dans les pays anglo-saxons, c'est à 6 ans. En Hollande, ici, ou en Finlande, c'est à 6 ans. Les mamans gardent leurs enfants jusqu'à cet âge-là, ou font l'école à la maison. Vous voyez le problème qui existe aussi, si on va aller profondément dans l'éducation, l'école-là. Qui va donc être... Vous êtes pour entrer à l'école à 3 ans, traumatiser l'enfant, comme on me dit? Ou alors on attend 6 ans quand le cerveau est bien fait. Wow, c'est des choses à faire en tant que parent. Les systèmes, tu sais, même en Europe, en Suisse aussi, l'école commence à devenir obligatoire. L'enfant peut commencer à 3 ans, mais ça devient obligatoire à 6 ans. Sur le point, en fait, de l'école même en soi, moi, je pense qu'il y a une frange
la diaspora surtout, parce que les Africains sur le terrain ne se posent pas ce type de problème, c'est qu'on a une frange de la diaspora, en fait, qui, ayant découvert certaines vérités, se disent que ben, la solution, c'est la radicalité de sortie totalement de l'éducation, du système, de trucs, tout ça. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un système déjà qui est en place et ce serait en fait se faire un nœud dans le cerveau ou ce serait se mentir soi-même de penser qu'on peut renverser ce système-là comme ça. Parce que pour renverser un système, il faut avoir une solution en place. Il faut avoir une solution de remplacement, je voulais dire, une solution de remplacement. Est-ce que vous voyez nos États ? Est-ce que vous voyez en fait la façon dont nos pays fonctionnent aujourd'hui, prêts à renverser tout le système éducatif pour mettre en place un autre ? Non. Donc, si aujourd'hui tu prends ta propre initiative de dire que tu vas aller créer une petite école où tu mettras l'enseignement que tu veux, le choix que tu veux pour enseigner tes enfants dedans, tu n'en feras pas grand chose. Ce que nous on souhaite et pourquoi est-ce qu'on met nos enfants dans les grandes et les meilleures écoles, c'est pour que demain ils puissent reproduire l'éducation qu'on leur a donnée. Donc c'est pour ça l'école instruit, comme disait la sœur, mais c'est nous parents qui éduquons les enfants. Donc si tu éduques ton enfant et que demain cet enfant devient une personne responsable dans la société, il pourra mieux conduire et mieux emmener les choses. Voilà la logique d'un parent responsable. Donc c'est pourquoi en tant que parent, tu dois pouvoir donner les meilleures chances possibles à ton enfant de réussir et d'être dans des cercles d'influence. Parce que si demain, parce que tu as voulu cacher ou mettre à part à côté ton enfant et que demain il n'est dans aucun cercle, il va subir. Il sera aussi dans une société où lui aussi va se plaindre, passer son temps à se plaindre et pouvoir rien faire pour faire changer les choses. Parce qu'il faut se dire la vérité, quand on est dans des écoles d'élite, on est censé être une élite demain de part, même si on n'a pas de connaissances intellectuelles, rien que par le réseau, parce que je connais Tata Chimène, demain, quand elle est ministre, elle a dit que non, vous voulez, quel poste est disponible? C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi, même quand vous entendez certains responsables parler, vous demandez que, mais qu'est-ce qu'il a même dans la tête? Ben, il avait le numéro de quelqu'un dans la tête, simplement. Il n'avait pas besoin de plus. Bon contact. Il avait le numéro qu'il fallait. Donc, c'est comme ça que fonctionne la société. Donc, pour tous ceux qui sont, allez, on renverse la table, on déverse tous les systèmes, allez-y, les amis, nous, nos enfants, demain, auront les places. En fait, le process, je pense qu'on va regarder le sujet pour la fin du débat. Vous nous amenez encore dans un autre live, là, à la fin du live. Donc, là, on va seulement se voir dimanche prochain pour remettre ce sujet-ci. Ça donne les idées pour le prochain. Oui, tu as tout à fait raison, Tata Chimène. Ça rentre dans les dépenses qu'on fait, oui. Un autre live, on va pas s'en pardon, sortir. Excuse-nous. On est des perroquets, pardon. Aie pitié de nous. Non, pour aller sur la fin, donc il faudrait, voilà, on va faire un tour de table pour clôturer. L'idée, c'est qu'au plus tard, maximum, 3 heures de temps, on est fini. Je trouve que, voilà, on a pas mal partagé sur la thématique du jour. Il a fallu aller vous chercher très loin. Vous étiez vraiment difficile à capter. Heureusement, Emmanuel est arrivé et nous a donné une lueur d'espoir avec le chiffrage et ça nous a permis d'avancer. Donc, je pense que voilà, pour la fin, s'il faut donner en fait votre ressenti pour terminer ce live sur cette thématique, un dernier tour de table et avant ça, les amis, pensez à liker et partager, c'est très important. Donc, je vais commencer sur toi, Ariane. Je te laisse donner ton ressenti final sur cette thématique-ci, de combien il faut pour retourner en Afrique. En fait, je vais tout simplement rapidement résumer ce qu'on s'est dit, c'est qu'il est difficile d'afficher un montant parce que les projets ou les non-projets, ça dépend de toute personne, ça dépend du pourquoi, hein, du quoi, et ça dépend de la situation personnelle aussi de chaque personne qui entend retourner au pays de façon définitive. Il est difficile de donner un montant. Par contre, là, on a très bien avancé sur la liste, en tout cas. Hein, on a bien listé les différents pôles selon les situations et les différents profils. On avait commencé dimanche dernier à dresser déjà un peu les profils de ceux qui rentrent
On avait même listé également les profils de ceux qui rentrent plus souvent. On avoue que c'est ceux qui n'ont pas préalablement trop galéré au pays. Donc, les profils ont été dressés, la liste a été listée, mais il est difficile de sortir un montant. Hein, mais effectivement, Emmanuela nous a un peu éclairé là-dessus. Il y a des domaines précis sur lesquels on peut donner les montants par expérience, parce que nous qui vous parlons, en tout cas pour la plupart, on a le pied à plus de 60% localement, donc on ne dit pas des choses qu'on ne connaît pas, on parle de la réalité. Donc voilà en quoi je peux résumer. Personnellement, je ne saurais pas dire de montant. Enfin, j'ai les petits montants par expérience sur place, mais ça dépend de tout un chacun. Merci beaucoup en tout cas, Chimène, de nous éclairer sur cette thématique très importante. J'aurais voulu que ce sujet-là il soit abordé il y a 20 ans en arrière. Je pense que j'aurais beaucoup évolué. En tout cas, force et courage à toi, Malédi. Merci beaucoup, Ariane. C'est toujours un plaisir de t'avoir parce que vraiment, beaucoup de valeur ajoutée et puis partager son expérience comme ça, ce n'est pas toujours chose facile. Ouvrir sa caméra, ouvrir son micro et puis partager son expérience, il faut le faire, quoi. Beaucoup de personnes sont régulières ici, mais n'ont jamais sauté le pas. Donc, c'est vraiment un plaisir de voir les personnes qui sautent le pas. Toi, tu es une abonnée, une habituée. Donc, on se voit souvent dans le cadre de d'autres créneaux. Et donc, n'hésitez pas, je rappelle que Ariane, elle est du côté de LinkedIn pour les personnes qui souhaitent. Elle est dans les métiers de la tech, donc c'est très important. Ariane, je te laisse quand même donner 2-3 mots par rapport à ce que tu fais. C'est important d'inspirer également les ladies qui nous suivent, surtout que c'est un combat que tu es en train de mener en Afrique aujourd'hui, de démocratiser un peu ces métiers de la tech-là. Donc, on va terminer. Vu que vous avez fait tous des hors-sujets, je pense qu'on va finir en hors-sujet. Et puis, c'est pas plus mal que ça. Je te laisse clôturer pour toi en nous disant un peu ton activité et surtout pour des personnes qui souhaitent te contacter, comment elles feraient. Mais non, fais pas le hors-sujet. Si je venais te voir la dernière fois, là, en fait, Chimène m'a invité où elle est, au pays là-bas. Je serais venue en OPEP. Hein. J'aurais pris le car, hein. Tranquillement, tranquille. Bref. Donc, mon combat aujourd'hui est du côté des femmes. Hein. J'aimerais beaucoup en Afrique faire connaître l'agilité. D'ailleurs, ça fait 2 ans que je le fais. J'essaie de créer des associations, voilà, pour faire connaître les métiers de la tech aux femmes, lever un peu tous ces préjugés qu'il y a par rapport aux femmes dans le digital, le numérique. Mais plus spécifiquement l'agilité pour faire simple. Donc voilà de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Ça marche. Donc si on veut te contacter, c'est où que ça se passe? LinkedIn. Voilà, c'est le réseau par essence de ce type de métier. Là, la tech et le numérique, c'est sur LinkedIn, comme prononcent certains, ou LinkedIn. Ah, voilà. Et on cherche quoi là-bas? Bah, avec mon nom, Ariane Akono, et vous avez mon profil et toute l'activité. Voilà, donc je vais mettre le nom de Ariane. C'est ce que vous voyez, Akono, comme vous l'entendez. Akono, voilà. Donc, allô, est-ce que vous m'entendez? J'entends difficilement. On t'entend très bien. Vas-y, Emmanuela, pour terminer sur une autre belle thématique, qu'est-ce que allô? Tu nous dirais? Oui, Emmanuela? Vous m'entendez? Oui. Oui, je pense que vous m'entendez. Alors, oui, mais en tout cas, merci encore, Chimène, pour la qualité du débat, de très belles interventions. Je découvre Ariane, comme tu l'as dit, je suis une revenante, j'ai disparu un petit peu, mais j'écoute parce que elle a très, très bien dit, hein, c'est le genre de débat qu'on aurait voulu avoir il y a 15 ans, il y a 20 ans, pour avoir certaines informations. Et c'est bien de venir et de partager son expérience, de plutôt partir de son expérience pour donner son petit point de vue. Ici, aujourd'hui, moi, j'ai retenu qu'il y a des postes de dépenses qu'il ne faut surtout pas oublier. Les montants, évidemment, chacun en fonction de sa situation, en fonction de ses revenus, de ses ambitions, pourra les mettre, mais le plus important, c'est pourquoi est-ce qu'on rentre? Il faut avoir une raison valable, une bonne raison, en tout cas, pour soi, pour rentrer. C'est le point de départ. Ensuite, il y a des postes de dépenses qui ont été listés ici, qu'il ne faut pas oublier et chiffrer en fonction de son point de vue, en fonction de sa situation. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Emmanuela. Effectivement, ça fait plaisir de te retrouver parce que tu étais également une vraie sous-marine depuis le temps. Première classe, c'est sa chaîne YouTube, hein, je précise. Donc, pour des personnes qui souhaitent la suivre, elle aborde des thématiques de gestion de finances, de mindset sur sa chaîne.
Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous tapez première classe et vous allez voir ses différents contenus. Donc, je pense que même sur sa chaîne, elle avait un peu levé le pied pour des raisons perso. Mais je pense que là, tu es de retour progressivement. Tu vas reprendre le rythme, je crois. Donc, voilà. Et puis, je termine par Alexis. Alexis, je te laisse te donner le mot de fin. De grâce dans la thématique, combien il faut pour retourner en Afrique? Oui, merci beaucoup, Chimène. Merci à tous ceux qui ont participé, contribué. C'est toujours intéressant. Hein. Ben, vous aurez remarqué, moi, je suis souvent dans l'intrigue. C'est pour émoustiller, pour que ce soit beaucoup plus vivant, dynamique dans le, dans le chat, dans le truc. J'aime bien quand on m'écoute, on se réveille, on dit okay, qu'est-ce qu'il dit hein? Je vais venir. Là, comme ça. Ça, je te dis, toi, tu es toujours un peu de titiller. Ariane, voilà un commentaire cadeau pour toi de Enoch Kamé. Oui, oui, j'ai vu Enoch. Enoch Inbox, tu m'écris sur LinkedIn Inbox, on en reparle. Ça veut dire que tu n'as pas suivi mes interventions ici, ni mes différentes conférences. L'agilité, oui, mais à certains niveaux. On ne va pas chiffrer l'inconnu. Tu vois ce que je veux dire? Écris-moi une box et on fait notre débat. En tout cas, ravi que tu sois toujours présent et là. Okay. Vas-y, Alexis. Alors, pour, en termes de montant, moi, je dirais qu'on peut rentrer pour retourner au pays. Il nous faut soit 1 euro ou soit 1 milliard. Donc, dépend du on projet. Va te prendre au mot, hein? Oui, bien sûr. Avec un milliard de francs CFA, tu veux dire? Oui, oui, 1 milliard. On parle de la somme pour entrer donc en. Oui, 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 tu as raison parce que je dis j'ai mélangé euros et donc je dirais on peut rentrer avec 500 francs CFA. Comme on peut rentrer avec 1 milliard? Parce que 500 francs, c'est le prix de la course du taxi pour partir de l'aéroport jusqu'à la maison. Tu payes 500. Et le lendemain, tu te mets à bosser. Ou sinon, tu rentres avec 1 milliard, comme ça, tu arrives, tu es à l'aise. Dès qu'on tousse, tu payes. Parce que comme on a dit, il y a et les dépenses, et le quotidien, et les imprévus. Avec 1 milliard, même si c'est le voisin qui casse son pied, tu peux aider. Tu passes, on dit, prési, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, tout dépend de où est-ce que chacun veut se situer. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Donc, pour moi, le montant, chacun peut vraiment porter autant de sous qu'il veut. C'est on dit 15 000 euros dans 10 millions. Moi, je suis allé avec 20 millions, ça n'a pas suffi. Donc, je préfère maintenant fixer la barre vraiment. Ouais. Maintenant, c'est 1 milliard et tranquille. C'est tout. Alléluia. Donc, avec 20, comme ça n'a pas suffi, 20 millions, tu es passé au milliard. Toi, tu oui, oui, il y a 1 milliard. Nathanaël est parti avec 300 000. Hein. Non, non, c'est important. En tout cas, c'est un live magnifique. Je pense que tout a été dit ici. Chacun ouais, prend super, un peu voilà, ce qui est intéressant pour lui. S'il trouve que voilà, ça peut l'aider, ben, c'est tant mieux. Ce qu'il trouve... pas adapté à sa situation, il met de côté parce qu'on a un peu partagé sur tout et rien. Donc, vraiment, c'est à chacun de puiser et puis d'en faire un peu quelque chose de potable pour lui. Je vous souhaite de passer à l'action parce que je pense que si on finit et qu'il n'y a même pas une personne de toutes ces personnes qui suivent là, qui rentrera, je pense que c'est un peu chaud quand même hein, d'avoir pris ce temps et il n'y a même pas une personne qui se décide à rentrer et appliquer ça. C'est dommage, quoi. Mais bon, pour celles qui ont mis en chat là qu'elles sont intéressées vraiment, il faudrait que vous nous fassiez des retours d'ici quelques temps. On nous dit que voilà, ça a porté ses fruits et vous êtes au pays, vous êtes en train de vivre votre rêve africain. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et les blessés des guerres qui étaient sur le plateau là, Alexis, Ariane et compagnie Liberté là, force à vous. Si vous revenez, on sera content de vous voir. Sinon, bon, écoutez. Oui, oui, Tata Chimène, de toute façon, si je mettais le projet, je ne manquerais pas de te contacter. Ah, surtout ouais. Que une expérience gagnante, c'est intéressant.
Ah, pour le moment, les gens attendent ma chute, tu sais. Je suis à 2 ans, mais tu sens qu'il y a les gars qui me guettent comme ça, en mode, c'est quand le retour, on m'a dit que voilà, on avait dit que ça ne marche pas. Non. Toi, ton projet, il est construit, il est efficace. Quelqu'un qui a posé 10 immeubles au pays ne peut pas rentrer, c'est pas possible. Oui, bien sûr. C'est pour ça que si ton projet, c'est d'avoir 10 immeubles au pays comme Tata Chimène, il te faut au moins 500 millions jusqu'au milliard. Donc, tout dépend du projet des personnes. Alexis, Et le mindset. On parlait de mindset tout à l'heure. C'est aussi surtout le mindset, quoi. Donc, il faut se soutenir les uns les autres. On dit bien, tous ceux qui rentrent, contrairement à beaucoup ont participé ici, il faut oser. Franchement, quelqu'un qui rentre au pays, je vous assure, c'est un warrior. C'est un warrior d'office, quel que soit le projet, même si tu rentres pour acheter des motos, même si tu rentres pour vendre de l'eau. Moi, je félicite d'abord et je tire le chapeau à toute personne qui rentre. Parce qu'il faut savoir s'oublier soi-même pour d'abord rentrer. Il faut s'oublier. Ce sont des warriors. Donc, soutenons les projets des uns et des autres. Au lieu de critiquer, soutenons. Parce que, en tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Tu as raison, garde pour dimanche prochain. En tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé vos expériences pour vos commentaires. C'était vraiment un plaisir. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h, toujours heure de France, pour une nouvelle thématique dans cet ordre-là. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre également dans les commentaires afin que, voilà, on programme des lives dessus. Et puis, pensez également à mettre des pouces, à partager. Et ça permettra toujours à la chaîne de se développer. La chaîne principale ici, c'est Mindset Mania. Et on a nos chaînes respectives. Il faut dire que Alexis est diaspora décomplexé. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Lui également, il est un peu en mode sous-marin actuellement, mais je pense que progressivement, il va revenir. C'est un homme d'affaires très pris. Donc, quand il a ses activités, il préfère d'abord privilégier ça que de venir bavarder avec nous ici sur Internet pour rien. Il est en train de chercher son million pour rentrer. Il y a Enoch qui va apparemment un cours particulier d'agilité là. Hein? Enoch, en plus tu étais présent quand on a fait le live concernant l'agilité. Hein? Viens me voir, je me dis ça en direct. Il va un cours d'agilité apparemment. Ça marche. En tout cas, bon dimanche à vous tous. C'était un plaisir. Prenez bien soin de vous. On plaisir se partagé. Merci beaucoup, Chimène. Allez, ciao, ciao tout le monde. Merci, Alexis. Merci à tous. Merci, bye, bye. Bye, bye. Bye.